Salut, salut, je sais pas si ça marche. Non, y a rien qui marche. Ah, on m'entend, mais on n'entend pas le. Salut, salut, je sais pas. Ah putain. Hop. J'ai coupé, hein. C'est normal, là c'est bon. Salut Vince la femme. Mais y a pas le son du jeu. Salut Vince la femme. Attends, ouais, y a pas le son. Y a pas le son du jeu. Remets, enlève et remets là. Mais non, 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 remets audio en haut là. Là. En haut là, sorti vers le casque. C'est bon, temps de faire les réglages comme d'hab. Oh, mais c'est vraiment une galère sur la course à lundi, je sais pas ce qui se passe. Tous des règles à chaque fois, je te dis. C'est un truc, t'as plus de temps de faire les réglages comme d'hab. Parfait. On nous entend bien, c'est bon. Une concentration, faut qu'on aille au mignon, c'est chaud. Ah non, non, après il était trop, son, trop fort le son du jeu, donc du coup, elle doit, ça doit être. Bon, là, on joue en A2 parce que. Ah oui! Quand un ordinateur fonctionne trop lentement, on dit qu'il nage la brasse. Pff, non mais, qui pégaye, qui fait du paddle, ou qui rame. Bon, je vous la laisse, les internautes. Non, non, j'hésite. Non, je vais. Qui pégaye. C'est Marama, comment. Tu veux une bière? Ouais, je veux bien. Ah bah, du coup, ouais. Bon, de toute façon, t'as pas besoin, on est au début. Non, ça devrait aller, de toute façon, Angie, c'est plutôt au début que j'ai quand même besoin de ton aide parce que dès qu'on arrive trop loin, t'as un peu de mal. Hein. Parce qu'Angie a dit c'est à la fin que t'as besoin de moi, mais en fait, à la fin, c'est pas non plus. Alors, attends, qu'est-ce que c'est pour ça? Pas une planète, mais seulement un satellite de la Terre. Bon, ça, oh, ça va. Angie, tiens, on va poser la question à Angie. Dites rien sur le net, dites rien. Laquelle de ces propositions n'est pas une planète, mais seulement un satellite de la Terre? Angie, c'est pour toi. N'est pas une planète, mais un satellite. Ouais. La Lune, Saturne, plutôt, mais. Bah, la Lune. Je me dis.
Tu savais pas, c'est pour ça que tu m'as posé. Non, c'est ce que j'aurais dit moi aussi. Mais je commence à douter en fait. T'es sérieux? Mais c'est ce que j'aurais dit moi aussi. Tu savais pas, non, c'est ce que j'aurais dit, mais je te dis, c'est ce que j'aurais dit. Mais par contre, je commence à douter maintenant, mais je sais pas pourquoi. Oui, je sais, mais c'est une fois répondu que je commence à avoir le doute. Mais de toute façon, sur ce jeu, c'est souvent ça. Hein. Direct d'instinct, puis c'est une fois devant le jeu, une fois que t'as répondu, que t'as le doute quand il y a la musique qui se lance. En étudiant l'histoire de France, on apprend que le grand dauphin est le grand-père de Nemo, l'oncle de Bob l'éponge, le cousin de Flipper ou le fils de Louis XIV. Dans l'histoire de France. Là, t'as la réponse. En étudiant l'histoire de France, on apprend que le grand dauphin. Je vais répondre parce que je crois qu'Angie va pas y arriver. Du coup, je réponds tout de suite. Hein. Je choisis la réponse. Elle m'inspire confiance. En étudiant l'histoire de France. Bah, ça peut être que ça, oui, c'est sûr, mais. J'ai pas trop compris quand même. Qui perd non plus. Il y a que celui-là qui est dans les. Angie, quand même. Dans l'histoire de France, grand dauphin. C'est un pied, le grand dauphin. Puisque Nemo, c'est un dauphin. Bah, oui, Flipper, c'est pareil. C'est la seule truc qui parle de l'histoire de France. C'est... Qu'est-ce que j'ai peur. Bon, pour préciser les choses, Angie est blonde, hein, je vous rassure. Vas-y, mais. Quel pays antique est associé aux hiéroglyphes? Je te laisse Angie aussi celui-là parce que ça va être dur. Quel pays antique est associé aux hiéroglyphes? Mais toi, tu me laisses tout parce que tu sais pas, genre c'est facile de dire ça. Attends. Hiéroglyphes, Angie. C'est l'Égypte. Wow. Allez, mais j'ai même pas lu le reste, que je dirais que c'est l'Egypte, j'ai même pas regardé la réponse. L'hiéroglyphe, ah ouais, ça va, il y a des mots des fois, c'est dur. Non mais je... Comment voulez-vous qu'on y arrive? C'est pas possible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait plus de mode à deux avec Angie, parce que bah en fait. Parce qu'on a pas les Joker, t'arrives pas. Non, c'est parce qu'elle passe pas le premier palier, du coup. Bah. Mais t'es un mytho en vrai. Non, dernière fois, c'est qui a gagné? Bah, t'aurais pas passé. Au live, en plus, j'ai la preuve sur live de la dernière fois. Arrête. Abréviation locale en général. Ouais, c'était tous les deux éliminés. Tu vas y arriver. Tout est pour moi, toi. Dans un hôpital, à quoi correspond l'abréviation locale en général? Bah, c'est vachement dur. Non, mais tu me dis que tout est pour toi, mais c'est parce que là tu peux répondre encore. C'est comme ça. Anesthésie locale, IRM locale. Ben. T'as répondu de toute façon. Bah, de toute façon, c'était logique, ben, je savais. De toute façon, je connais. Non, moi. Enfin, c'était dégénéré, mais c'est plus souvent dégénéré. Avoir besoin de vous à la fin, ça va être dur. Bah, il y a plus de temps en plus. Vu que je suis là, c'est un peu plus loin que d'habitude, mais oui. Alors, mais on va attendre de tricher. En argot, quelle partie du visage est désignée par le mot blaze? Bah, quoi, Benji? Bah, vas-y, dis-toi, parce que tu me demandes toujours. Blaze. En argot, quelle partie du visage est désignée par le mot blaze? Mais là, j'ai un doute, mais je dirais le nez, moi. Toi, tu dirais quoi là? J'ai un doute, mon film, franchement là. Personne sait là! Je pense que c'est le nez, hein. Mais je dirais la bouche. Ah, mais ils sont sérieux! Juste entre le nez et la bouche, là, je sais pas. Partie du visage est désignée par le mot blaze. En argot. Juste entre la bouche et le nez. Moi j'aurais mis le menton, moi. Non, la bouche. Oh, t'as eu trop de chance sur ça. Mais non, mais moi c'est le nez qui m'est venu direct. Et en même temps, je me suis dit, mais c'est le blaire le nez normalement. Et c'est pour ça qu'après, quand j'ai vu la bouche, je me suis dit, on dit toujours, c'est quoi ton blaze? Du coup, bah, blaze sort de la bouche. Enfin, je dans un poème célèbre, qui est le mari de Min A'a. Oh, mais c'est trop dur, en vrai. Dans un poème déjà, ça peut pas être Lancelot, célèbre. Wolf, Lancelot, Robin des Bois. Ou... Alors moi, je vais pas induire en erreur, mais à mon avis. Moi, j'aurais dit Yawata. Ouais, ça ressemble à Mina. Et je me dis, c'était un piège, c'est peut-être Beowulf. Parce que c'est pas Lancelot, c'est sûr. Il s'est barré avec la meuf d'Arthur. Robin des Bois. Ah, Robin des Bois. Non, il n'y a pas une meuf comme ça. Il y a peu ça.
Bah je l'attente, je l'attente. Oh non mais c'est trop, c'est pas possible. On va perdre, t'aurais dû prendre un joker. Mais non, pourquoi t'as pas pris un joker? C'est peut-être Beowulf. Ah c'est peut-être Beowulf. Pourquoi t'as pas pris un joker? Oui. Non, tu peux pas changer. Oh ah mais t'as trop de chance. Non mais là c'est par déduction. Lancelot, ah, mais c'était logique. Avec la meuf d'Arthur, il a jamais de femme autrement. Robin des Bois, c'est une... je suis même pas sûr qu'il y ait une meuf, mais je crois qu'il en a une, mais je sais plus son nom, mais c'est un nom genre à l'anglaise. L'autre en haut, je connais pas. Et en bas, c'était quasiment les mêmes écritures, mais tu vois, et chez les Indiens, je sais que t'as beaucoup de ressemblances entre les prénoms de la même femme. Salut AZZ, tu vas bien? Sur les vols intérieurs en France, avec quoi est-on autorisé à voyager en cabine? Vapoteuse, club de golf, feu d'artifice ou trottinette électrique? Bah vapoteuse, non, avec cette logique. Sur les vols intérieurs en France, avec quoi est-on autorisé à voyager en cabine? Bah vapoteuse, club de golf, feu d'artifice, trottinette. Mais qu'est-ce que tu veux foutre avec tes clubs de golf dans le... La vapoteuse, ça, il me semblait que c'était interdit à cause de la batterie et tout comme ça, mais... Je sais pas. Bah non, c'est pas interdit. Je crois qu'elle est autorisée tant qu'elle est éteinte, je crois, il y a un truc comme ça. Et tu as le droit d'avoir autour du cou. Je crois que c'est ça. Bah oui, je vois pas que tu ferais avec le reste. Ouais, non, mais... Ouais, mais un club de golf, c'est inoffensif, à part tu m'as frappé avec. Si tu veux, ça prend pas tant de place. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux foutre avec? Ça sert à rien d'avoir ça. Ouais, mais normalement, tu sais, les appareils électriques, tout ça, c'est compliqué. Pareil, que tu veux pas avoir. Parce que même ton téléphone, tu dois le mettre en mode avion, tu sais, tout comme ça. Enfin, ouais, mais avant bon. Surtout, maintenant, ça va. Lors de quelle guerre se déroule le roman Le Patient Anglais de Michael Antage? Ok. Bah là, dis pas vraiment un joker. Ouais, le roman, vas-y, mais. Est-ce qu'on a une tête à lire des romans, nous? On va prendre le plus marrant tout de suite. Bah non, Angie. Attends, on a 8000. À mon avis, Angie, non, je te. C'est pas... Quoi? T'as pas une tête à lire des romans aussi, c'est sûr. Bah toi non plus. Un documentaire sur Paris. Attends. Lors de quelle guerre? Mais attends, la guerre de Crimée, la première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale. Oh là là. Salut Becca, la forme. Ça va, merci. Putain, mais je demande un truc à Andy, elle me répond pas. Bah attends. Mais Edouard, du coup, est-ce que personne me dit? Bah tu choisis, on s'en fout. Hein. Ah oui. Quand je te demande la question, tu sais que je prends un joker. Le joker et puis... La seconde guerre mondiale. Tu devrais tenter, il me dit, putain, j'étais obligé de l'assurer avec un 50-50. Mais la plus logique, il a dit là, c'est. Mais là, c'est. Mais ah non, mais c'est il est pas sûr, tout à l'heure, j'ai pris le même, il m'a dit quand il était sûr. Je le tente parce que tu me dis ça, mais moi, je suis sûr qu'il y a un doute. Moi, j'ai genre... C'est peut-être la première. Parce que tout à l'heure il était sûr de lui, il a dit. Et là il était pas sûr que ça, il a dit ça paraît plus logique. Et quand la le mec forme dit Béca. Ça, c'est qu'il en sait rien. Ça paraît plus logique. Il en sait rien. C'est la première. Oh, allez, grâce à moi, on va aller au mieux. Ouais. Après, c'est qu'il a dû lire le roman quand même. Ah, ça va être de plus en plus dur. C'est... On est déjà à 12 000, c'est bien, hein, parce que c'est compliqué après. C'est pas si simple quand t'es avec la manette en fait. Essayer de jouer le jeu et de pas aller voir sur internet. Oui, non, je vois pas l'intérêt de jouer sinon. Lequel de ces livres examine de manière spécifique la vie des saints? Mais ils ont arrêté avec leurs romans, leurs livres et la littérature là. Oh là là, oh mon là. Laquelle de ces livres, lequel de ces livres, déjà, pardon, examine de manière spécifique la vie des saints? La géographie, la topographie, la polygraphie ou la sténographie? Becca, tu sais ça, toi? Je crois que c'est là, je prends un joker pour être sûr. Attends, je crois que c'est là. Ah non, il reste que 10 secondes. C'est là. Comment ça se dit, la géographie. Oh putain, ah. Il m'a laissé les deux que j'avais le doute. Donc moi j'aurais dit la polygraphie, moi, justement. Non, fais ce que tu veux. Ah ouais, non, si non. Ah, si c'est après, bah après, on va dire c'est de ma faute. Non, mais je crois que c'est ça en plus.
Ah, j'ai un doute, putain, j'ai un doute. C'est les deux que j'hésitais en plus, c'est ça qui me fait chier. M'enlever les deux que j'étais sûr qu'ils étaient. Ça, c'est stressant, même si c'est pour de faux. Imagine que ce serait pour de vrai. Oh, putain, t'as raison, putain, j'aurais dû pas prendre Joker, je savais, j'avais raison. Pourquoi tu m'as écouté et... Parce qu'il y a un truc avec la vie dans la religion aussi, et du coup, j'ai eu un doute. Bah, c'est de ma faute là, j'avoue. Putain, j'aurais pas dû prendre des Joker, mais on en refait une. J'aurais dû aller direct à l'intuition. Parce que les autres ils me disaient comme si ils avaient déjà tous entendu, alors que bah, le terme c'est l'étude des saints, je vois pas en quoi je m'en serais déjà eu, enfin, j'aurais déjà écouté un truc là-dessus. Oh, retourner à 1000 alors qu'on avait tout, putain. Ah la Dila, ah, ah mais j'ai pas vu, elle avait dit là, t'avais dit ah. Bah ouais, mais t'es désolé, mais... J'avais vu tes emojis là, mais... En fait, il faudrait qu'Angie ait le cerveau de Becca et j'arriverai à aller plus loin. Bim. Oh, j'ai fait le game. Oh là, non, là. Mais j'arrive. J'hallucine. Ah, tranquille. Hey, est-ce qu'Angie me dit « mébé » Moi, je fais confiance à ma copine, du coup, je mébé. D'accord. 424 neurones. Ah ouais, il y a peut-être des trucs à débloquer, 424 neurones. Le fou garde pour le foot, non. Il en faut 1000, je crois, non? 1500. On n'est pas rendu. De toute façon, le minimum c'est 1000. Ouais, mais de toute façon, t'en es débloqué dans l'ordre, de toute façon, le but c'est tout avoir, donc tu t'en fous. Oui, de toute façon. T'as allé chercher plus loin ou pas, dans tous les cas, faudra aller refaire l'étude pour aller chercher. Ça dure longtemps ou pas pour aller chercher l'étude. Après. Bon, vous êtes chaud parce que. On a vu que là c'était compliqué en fait, donc il faut être sur des mots. J'aurais dû là parce que la rage de cette En plus, je fais stresser à la fin. Si fait attends, non, donnez la réponse. Dans la mythologie grecque, les sirènes attirent irrésistiblement les marins en s'effeuillant lascivement, ok, en chantant mélodieusement, hurlant Gérard, touchant leur poupon, ok. J'ai eu peur en voyant le on à la fin, je sais quoi qu'il a écrit. Bon bah, chantant, mais non mais... je savais que c'était en chantant, mais genre l'une deuxième fois quand même. Non, en fait, t'as tellement peur de passer pour une conne, elle répond... J'ai dit en chantant avant que tu t'appuies, arrête. Non, en même temps, non, je veux dire, du coup, soit elle répond pas, soit elle relit 18 fois la question, parce qu'elle se dit un piège, un truc... Bah, pas comme toi, t'as l'air. C'est impossible qu'elle avait la réponse. Ouais, mais c'est vraiment quand il y a un gros doute que je me dis ça. Je peux se remarquer, mais j'ai répondu quand même à plusieurs questions avant d'arriver là, tu vois. Pour pouvoir exercer sa profession, un avocat doit obligatoirement aimer le guacamole, ok, être tenu sous sa robe, pff, oh là là. Voir la série Munch, traiter fermement. J'espère qu'elle était pas nue sous sa robe, parce que ça m'aurait fait partir en courant, je crois. Pfff. Et puis en plus, ça m'a servi à rien. J'ai été meilleur avocat que... j'ai été meilleur avocat. Vraiment de la carotte ce taf des fois. Et que, franchement, tu les payes je sais pas combien les machins. Et ils disent non à tout ce que tu dis, fais pas ça, fais pas ça. Laquelle de ces villes n'a jamais accueilli les Jeux Olympiques? Sydney, bah si, Athènes aussi. Nagano, Vesoul. Bah Vesoul. Sûr de toi hein? Bah ouais. T'aurais pas mis ça sinon. Mais c'est pas style, le t'es. J'aurais plutôt changé si c'était pas la bonne réponse. Je sais que je voulais te mettre le doute encore plus. Que, t'as vu, bah, c'est ça. C'était ouais. Pour prouver ce que je disais juste avant. Bah non, bah alors un prouver. Je vais te doute exprès parce que c'est pour te montrer que dès que t'as le doute qui vient, pour un truc tout simple, tu peux d'un seul coup te perdre dans tes pensées. Quel mot fait référence à un champignon comestible pas encore ouvert? Boulon, bouton, bonbon, buisson. Là. Ah bah un champignon pas encore ouvert. Moi, bah sais. Boulon, bouton, bonbon ou buisson. Bah ça peut être que boulon, bouton. Moi j'hésite entre à bouton moi, non? Un bouton c'est pas encore ouvert. Ce qu'on dit pour les fleurs, le truc. Donc je dois dire la même chose pour un champignon. C'est surtout qu'un boulon, je vois pas pourquoi on appellerait ça un boulon. Bah oui, y'a rien de logique. Un bonbon, bah. Un bouton, c'est pareil. Un buisson, c'est peut être ouvert.
trop facile. J'ai BK, ça va BK, suis comme peut-être pas. BK, tu me dis si tu veux un joker, BK. Là c'est facile, mais il va falloir être au taquet après. Parce que c'est dur après. Quel ça commence. Porte le nom, angle poise. Quel objet porte le nom angle poise? Un miroir, une horloge, un couteau, une montre. Alors là je viens de tourner des BK par contre. Même quel si objet stylé pour moi, bah, je te dirai après. Moi je pense que c'est miroir. Non, parce que. Je pense pas que tu saches. Alors... Angle poise, bah si c'est un miroir. T'es sûr? C'est normal, je viens de dire, je pensais que c'était si, un miroir, si, c'est pas dit l'inverse. Mais moi j'avais un doute. Non. BK a dit B. Oh oh. Bah j'ai pas confiance en BK parce que j'ai pas confiance en Andy, sort. Oh là. Je suis sûr que c'était un... Enfin non, j'avais moi, je pensais à le miroir, je vais pas mentir aussi. Quoi qu'à la raison, c'est à l'ancienne. C'est les horloges à l'ancienne, là, qui font du bruit, tu sais. Bah, ça s'appelle une angle poise. C'est ça. Ah oh, non, non, bah non, bah BK. Moi, toi, t'as voulu écouter BK, allez. Vas-y, tu m'aurais dit un miroir aussi, de toute façon, t'étais comme moi. Angle poise. T'avais dit un miroir. Une lampe. Bon, t'as bien passé le premier palier, comme quoi la question, elle a tué le game. Ça va et toi, Flavie, la farm? Elle y était la question là la dernière fois, mais je sais plus. Ah ouais? Je me rappelle pas de ça. Je me rappelle pas moi. T'es sûr? Après, je me rappelle pas toujours des fois d'avant. Mais... Une lampe quoi. Angle poise, c'est une lampe. Mais moi j'aurais dit le miroir en fait, c'est à cause du malheur en fait. Et pour moi, poise, c'est pas. Poise, je sais pas pourquoi. Ça va vite les parties. Hein. Ouais, c'est pour tant mieux dans le sens que. Oh, de toute façon, c'est la veille de Noël, il aura du monde d'or. Hein, les achats de Noël, non. Tu vas pas me dire les magasins. Les magasins, ils ferment à 19h30, 19h30. Ah ouais, mais. Ça, bah, hein. C'est quand je suis passé vite fait prendre un truc à Leclerc, j'étais limite. Ouais, 19h30, t'as tous les Renault, ils viennent dans le magasin, ils te dégagent. Ah. De toute façon, vous allez prendre 35€ d'amende si vous partez plus tard, alors traînez pas et tout, ils passent à tous les rayons. C'est un peu partout, tous ceux qui ont des agents de sécu, ça doit faire comme ça. Ils envoient direct les agents de sécu faire le tour des rayons. Salut! C'est bien. Pourquoi tu peux prendre la meuf à nous faire gagner la meuf? Mais je veux pas l'intérêt de prendre une blonde alors que j'en ai déjà une à côté et qu'elle s'est pas branchée. Allez, la manette! Allez, mais c'est obligé, elle m'a fait avoir un spasme. Non mais ouais, je voulais pas prendre un joker avant le premier palier quoi, ça me fait... Si on vise un million, je pense que c'est toujours plus chiant. C'est pour ça que j'ai préféré faire une connerie, tant pis. Puis... Et là, elle était piège la question. D'accord. Quel animal se sert de sa queue comme d'une cinquième patte pour se déplacer? Le lapin, la girafe, le kangourou ou le cheval? Non, wow. Pas le cheval. Je sais pas. Ah non, mais si, non, pas facile. Quel animal se sert de sa queue comme d'une cinquième patte pour se déplacer? Oh là là. Sans que, du moins, regarde pas son live. C'est le lapin, non? Ah! Non, mais entre nous, c'est le lapin. Non, parce que là, par contre, j'ai un doute quand même. T'es sérieux? Bah, genre, j'y connais rien, l'animal, c'est le lapin. Mais t'es. Le lapin, mais il a pas 5 pattes! La personne a 5 pattes dans les. Affiches. Mais il se sert pour avancer, le kangourou! Kangourou, kangourou! Kangourou! Ah oui, si, je suis con, oui, non. Ouais, mais il a que 2 pattes en vrai, kangourou, c'est pas vraiment des pattes, les deux qui. Bah, mais il en a 5, il en a. Mais il traîne, bon, il ouais, en non, a si, une. Je vois ce que tu veux dire, du coup, mais je comprends pas pourquoi le kangourou. Enfin, pour moi, le kangourou avec 2 pattes en gros, enfin, il marche sur 2 pattes, quoi. Il marche pas. Bah, non. Sur 3 pattes, du coup. Non. Mais il marche pas avec les mains. Mais justement, il essaie de sa queue. Ça oui, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est sa troisième patte, du coup, parce qu'il marche oh, bah, sur 2 pattes. C'était ça. Ouais, moi, c'est ça qui m'a induit en erreur. C'est pour ça que je me disais, mais il n'y en a pas un là qui peut marcher sur 5 pattes. Quelle phrase contient une faute de conjugaison? Il a blagué. Bah, c'est pour toi, moi je vais rigoler. Nous, tu as rigolé. Non, mais c'est tout et pas moi, toi. Elle s'est mariée. Ah, là, si, parce que t'es forte en orthographe, je sais. Jarry. Ben, elle a dit. Jarry. Ok. T'es sûr? Allez. Non, mais parce que ouais, la question d'avant. T'as vu, Becca a répondu, elle savait aussi.
J'ai caché pour pas qu'il triche. Ah non, parce que la cinquième patte, elle m'a troublé. Parce que même le kangourou, franchement, entre nous, il marche pas à quatre pattes déjà à la base. Donc il peut pas marcher à cinq pattes. C'est moi ça qui m'a troublé, en fait. Girl power. Mais ouais. Je suis d'accord que oui, après, quand tu regardes, oui, il saute ça avec sa queue. C'est ça que j'ai le lapin, parce que c'est cet animal que j'en sais rien comment il se déplace, à part en courant, mais je sais pas comment il se déplace autrement. Oh là là, quel couple retrouve-t-on dans une pièce de Shakespeare? Ah, quoi que. C'est pour moi de quoi? T'as cru que j'ai dit. Oh, si, je fais au lit. Ok, Mario Luigi. Bah, y a que Hamlet et Ophélie en même temps. J'aurais pas trouvé Ophélie, mais Hamlet, ouais. On a de la chance sur ce coup-là. Mais j'en reviens pas comment est tordue la question du kangourou. Ah, le même marche sur 5 pattes et en fait il marche qu'à 3 pattes du coup. Ça, je comprends pas. Dans Seul au monde, pour se sauver, Tom Hanks décide de faire appel à un ami. Bah ouais, demander 50-50. Mais ils sont sérieux là. Ils se foutent de notre gueule. Bah limite. Ah non, mais on est avant le palier. Ça, je me doutais parce que t'es avant le palier du coup. Avec son ballon qu'il appelle, je sais plus comment d'ailleurs. Putain. Il est mythique ce film. Ils sont pas fait chier. J'avoue, c'est quoi ces réponses plutôt? Les réponses quoi? Compléter les paroles de ce type de Johnny, qu'on me donne l'envie de voir mamie, d'être bien jolie, d'avoir envie d'un bout de brie. Oh là là, mais là. D'avoir un bout de brie. D'ailleurs, elle fait vraiment la pute, Laetitia. Là, c'est en train de se dévoiler toute l'histoire, là, je vois des trucs. De Jenny, on me donne l'envie de voir ma mère. Elle a dû passer sur 7 à 8, une connerie comme ça, la meuf. Tu verrais comment elle faisait la mijaurée alors qu'en fait elle. Salut Saturnin, la forme. Salut Zecta. En plus, l'autre il a balancé des trucs sur la 8 là. Apparemment, la meuf elle a des. Enfin, il y a eu grave des manipulations pour que. Bah, ses enfants et Johnny ils héritent de rien. Et, voilà. Et l'autre il a tout balancé là, c'est leur pote là, bah, vraiment, il a tout balancé il y a pas longtemps. C'est lucide. Carrément, ils interdisaient les enfants de. Ils interdisaient. Dans le sud-ouest de la France, si vous demandez une chocolatine, tiens. Ah, ça, on en parle assez souvent de ça. Dans le sud-ouest de la France, si vous demandez une chocolatine, vous aurez un caramel au chocolat, un pain au chocolat, un chocolat chaud ou un carré de chocolat. Et ouais, là, pour en revenir à Johnny, il y avait plein de trucs qui étaient faits. Pour que. En fait, les enfants, ses enfants, que ce soit David ou Laura, là, ils puissent pas le voir. Et du coup, bah, entre temps, lui, les papiers qui signaient, en gros, c'était toujours Laetitia qui faisait signer. Et en gros, à la fin, t'as que les deux petites qui vont peut-être avoir quelque chose, les deux qui ont été adoptées, là. Et tout est revenu à Laetitia, autour. Pas de tralabim, du tout. Et là, c'est en train de se faire, alors je sais pas où ça en est, au niveau des juridiquement parlant, mais. Si ça existe, c'est une chocolatine, je te jure. Ah oui, en plus, ils ont dit dans le sud là, alors que dans le sud, moi j'ai déjà vu dans des boulangeries, c'était écrit chocolatine. Comment doit-on couper des légumes pour en faire une julienne? Comment doit-on couper des légumes pour en faire une julienne? En gros tube, moi, en minuscule big, enfin bâtonnet, en petit triangle. Attends, une julienne. J'ai un doute parce que je sais plus ce que c'est. Je connais le nom, mais je sais plus ce que c'est. Oh, bah, je sais pas, je suis pas une grande cuisinière. Si en cuisine, t'es grande cuisinière. Moi je connais, mais je sais plus. Comment doit-on couper des légumes pour en faire une julienne? En gros cube, en minuscule bille, en fin bâtonnet ou en petit triangle? D. Ah, d'accord, c'est ça. B, putain, c'était ça, j'aurais pas pensé. En petit triangle? Vite, une seconde! Oh non! Mais t'es sérieux? J'ai appuyé! Mais non! Mais non, mais putain, c'est trop court! Juste quand j'appuie, le machin il me dit non! T'es sérieux, j'étais sur B en fait, j'avais vu B au début. Non, D. Ah, je voyais A ou B. Salut, oh, mais non, on doit trop commencer. On sait même pas la réponse en plus. Je suis dégoûté. On sait même pas la réponse. Ça me saoule. Bon, trêve de blabla. On va mettre en enfant ça, continue. Mais c'est toi l'enfant. quand tu joues, toi, oui, on peut faire ça. C'est vrai. On pourrait même faire un mode spécial Angie. C'est pour être le mode intermédiaire, mais putain, par contre, je suis dégoûté, le temps de réaction, j'étais énorme. Un mode spécial Angie, non mais oh.
Moi j'aurais dit A, hein, franchement. On sait même pas la réponse, c'est bien malin ça. Elle a dit ou A en fait, on savait rien. Donc au final j'aurais mis A comme je pensais au départ, ça se trouve, on avait bon et tout. C'est pour ça que je badais, je trouvais ça bizarre en bille. Comment tu peux couper des trucs en bille entre nous et Deka? On sait même pas c'est quoi. Ah ça c'était quoi, julienne, couper les légumes, faut que je regarde sans Google. Moi je pense que c'est en cube, hein. Ah, je pense que c'était la A. Ça m'intrigue. Regarde, on va vous donner la réponse de la question pour ça. Couper ça les légumes en julienne, attends. Bon, tant qu'Envy les trouve, je serai rendu au palier, vous inquiétez pas. Bon, vu qu'on l'a déjà vu 10 fois, j'appuie. Hein. En bâtonnet. En bâtonnet, bah tu vois, j'avais. Mais on avait tous faux. Non, c'est A ou C, ouais, ça. Les deux qui étaient. Elle a dit quoi, elle? D ou A? Bah tu nous aurais fait planter. J'étais entre A ou C, moi. C'est en bâtonnet. J'avais dit, mais je pensais cube vraiment. Ah. J'avais dit A ou C au départ. Comment appelle-t-on le sucre en très gros cristaux? Sucre candy, bah mais au sucre départ, Goldorak, ouais. Sucre Shrek, sucre Pegapi. Au départ, mais... j'avais dit A ou C. Ça va être toi, ça, la farm. Salut Arnaud, salut, salut, la oui. Farm. Salut Fatima aussi. Salut Fatima. Réponse A, oh, c'est pas très compliqué. Oh ça va, bon, j'appuie un peu parce que faut qu'on quand même. Pourquoi chausse-t-on des lunettes noires spéciales pour regarder une éclipse solaire? Avoir du style, protéger ses champion yeux, garder son œil. Les bâtards, champion, on va s'aimer. Oh non, les abysses. On va s'aimer. Ils abusent pas eux. C'est la pâte, ils ont trop bien l'imitation comme ça. Ah quoi, il est dans ce monde, il est dans le monde. Non, si c'est dans le qui est le 44e président des États-Unis? Obama. Mais non, mais ils sont sérieux. C'est foutage de gueule, leur première question quand même. C'est pas comme ça en vrai, ils font pas des questions comme ça aussi, tenez, des réponses. Bah oui, tu m'étonnes. Hein. C'est de la personne de voir le Père Noël, parce qu'ils veulent en parler. Ah bah oui. J'arrive pas à tenir mes enfants en place, je me demande bien pourquoi. Ah bah, il Père Noël a bientôt passé. Du coup, bah. Et vu que t'as quand t'es petit, tu dors. Ah, je vais avoir mon cadeau ou pas. Quel pays est collé à la frontière nord du Mexique? Cette fois, j'ai le pécho, le Père Noël. Tiens, c'est pour toi, ça. Bah, quand même. Quel pays est collé à la frontière nord du Mexique? Bah, je sais, merci. Je savais même avant de lire les réponses. Ouais, bah ouais. Piégé alors que quand même, tu sais mal me connaître. Trop facile. Oh, Saturnin A. Ah. C'est que dire. Saturnin. Ouais, c'était pour chambrer Saturnin. Je te laisse une chance de te rattraper. Dis-moi oui, c'était pour chambrer. Quelle coupe mythique n'a jamais joué ensemble au cinéma? Angie, ah, quand même. Angelina Jolie, Brad Pitt. Non, ils ont fait le film, la mystère. Hein, je sais pas. Cotillard et Canet. Et, ah, c'est possible. Oui, ils sont ensemble dans la vie, Cotillard et Canet. Mais je sais plus si. Les autres, j'ai un doute. Pff, j'en sais rien du tout, moi, franchement. Citez-moi un film avec Marion Cotillard et Guillaume Canet, s'il vous plaît. Parce que là, je pense que. Il y a un piège. Eux, ils sont ensemble dans la vie, mais j'ai un doute, je pense pas. En même temps, si on ensemble dans la vie, est-ce qu'ils se parlent peut-être sur un tournage? Putain, faut que je prenne un joker, je suis obligé. Ah, je voulais vite pas faire ça dès le début, moi. Bon, alors, moi, j'en j'aurais dû prendre l'avis du public, en plus, je suis un connard. Ouais, là, c'est ça. Putain, j'ai un gros doute, hein, parce que je me dis, si on ensemble dans la vie, c'est quand même bizarre, ouais, c'est... Vous avez
D a dit elle. Ah putain. Allez, mais c'est non. C'est quoi cette question d'heure là? Oh lolo, je rêve. C'est dans quel film qu'ils ont tourné ensemble Cotillard et Canet? Parce que là. Je réfléchis, mais. Film français comme ça, normalement, ça devrait me parler direct. J'étais branleur, je regardais à chaque fois, enfin, je regardais pas tous les films, mais je m'intéressais à chaque sortie. Bah là, zéro. Que dalle. Ah là, c'est pas beau. Hein. Ah, mais là, c'est pas normal d'être aussi mauvais. Putain, mais la question piège, j'en ai plein le cul qu'ils fassent des questions pièges avant le. Ah. Avant le. Jeu d'enfant. Putain, je veux même passer quoi. Toi, t'as pas écouté Béga là. Putain. Dit une fois que j'avais déjà appuyé, du coup, bah, c'était baisé. J'ai attendu un peu pourtant, mais je voyais pas la réponse venir. Au bout d'un moment, c'est... j'ai vu que j'aime pas attendre, j'ai dit bon. J'ai mal attendre, malheureusement, c'est pas mauvais. En fait, apparemment, il y a un film jeu d'enfant. Ouais, mais celui-là, franchement, je vois même pas lequel c'est. Sérieusement, jeu d'enfant. Ça me dit quelque chose, moi, mais. Pourtant, les vieux films, les films même que je trouve pourris, au final, c'est pas du tout mon style de film. Bah, à l'époque, enfin, à l'époque, Canet et Cotillard, c'était un peine bourre, on va dire. Je squattais grave les sorties, tu sais, au moment de m'intéresser au titre des films et tout ça. Me dire, tiens, bah là, en ce moment, je vais pas au cinéma, justement, parce qu'il y a ça, 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 mais moi, j'avais les titres et les acteurs principaux, tu vois. Ouais. Putain, fait chier. Ou à l'inverse, c'est leur premier film. Ouais. Ouais, mais j'en ai marre d'avoir commencé. Moi, bah, parce que les questions, bah, faut répondre vite là. Dès que hop, dès que tu sais, tu me donnes. Le problème, c'est le temps, mais en fait, c'est que nous, il y a un léger décalage déjà vu qu'on est en live. Et le problème, c'est que moi, j'ai un temps à respecter. Si tout à l'heure, on a vu, hein, si je réponds pas. Là. Jumbo. Ouais, là je suis emmerdé parce que franchement en vrai j'en sais rien et je dirais l'éléphant quand même. Mais... Quel animal les anglo-saxons s'ornomment-ils parfois Jumbo? Jumbo l'éléphant, l'aigle, la souris ou la baleine? Est-ce qu'il y a Dumbo l'éléphant? Jumbo. Jumbo, Jumbo. Qui fait là? C'est l'éléphant ou pas? Salut Spider la farme. Ah si je... L'éléphant, ouais. Vrai. Un petit doute sur le coup. Ouais, parce que franchement, en vrai, j'en ai aucune idée, mais je pense à Dumbo l'éléphant. C'était vraiment... la première question, toi, on s'est pas coup, fait. Avec les grandes oreilles, là. Non, c'est Dumbo avec les grandes oreilles. Dumbo, c'est un éléphant, Dumbo. Ouais, Dumbo. Bah, ouais. Ça. C'est un éléphant avec des bêtes d'oreilles. Tu es sûr? Ouais. C'est pas un éléphant volant, même d'ailleurs, c'est pour ça que je pensais, moi, c'est un éléphant volant. En se promenant l'été à la campagne, on peut aller cueillir un bouquet d'idées saugrenues, de rêves étranges, de pensées sauvages ou de concepts déjantés. Ouais, ouais. Réponse C. Je sais. Bah, allez. Par pas de temps, c'est des questions cons. Ouais, bah t'as dit ça, puis la question, je suis sur place. C'est toi. T'étais sûr de toi. Quelle émission présentée par Anne... Ok. Anne-Elisabeth Lemoine fête cette année ses 10 ans. C'est à vous. Ok. Angie m'a dit de speeder alors. Non, mais non, attends, parce qu'on a pas le temps de lire aussi. Attends. Hélène Fielding a écrit un best-seller. Oh là là, j'ai du mal. Intitulé Journal de Brecht. Bon, c'est facile. J'ai plus de temps de réflexion que vous. Tu vas aller moins vite, toi, là, maintenant, hein. L'après-midi d'un faune est un célèbre poème écrit au 19e siècle par Stéphane, mal préparé, mal équipé, mal protégé ou mal armé. Oula! Parce que ça, c'est lui. Attends! Un célèbre poème écrit au 19e siècle par Stéphane. Mal armé, bah oui, c'est peut-être que ça. Trop chaud, le gars, on a fait le point de panier. Dans le déjeuner sur l'herbe d'Edouard Manet, la femme au premier plan tient un éventail, joue aux échecs, est assise nue ou fait de la dentelle, joue aux échecs. Non? Le déjeuner sur l'herbe, oula, je sais pas, je dis fait de la merde. Non, ça doit pas être ça. Attends, non, mais attends, ils vont peut-être. Ah non, on a plus le temps, vas-y, fais un joker. On appelle un ami, oh. On appelle qui? Moi, je pense que jamais 203, tu vois. Tiens, un éventail, ouais, ce serait logique, mais j'ai peur. Moi aussi, j'aurais dit l'éventail, mais...
Moi j'ai jamais appelle la mère. Ouais mais la mère elle est pas forcément intelligente. T'as appelé qui? Edouard, parce que ça fait deux encore fois que tu as la bonne réponse. Alors... Oh mais Edouard. Ah, mais jamais du 103. On a appelé Edouard. Assise nue. Waouh. Sur 2000, elle a dit je mise tout dessus. Ah mais on avait tout faux. C'est chaud. Ah le mec il dit ça, il a dit qu'il était sûr, ouais mais il peut se planter dessus. Hein le il mec. Il a dit il mise tout dessus, donc là, ouais, mais... tout à l'heure il disait ça paraît plus logique. C'est pas parce qu'il est sûr de lui qu'il avait forcément raison. Tout à l'heure il disait ah, ça paraît ouais, plus logique. T'as de la chance. Il mise tout dessus, donc tout à l'heure il était pas sûr, là il est okay. Sûr de lui. C'est la différence qu'on... Tout à l'heure il l'a dit, sur l'autre question il disait... Fais de la dentelle maintenant, assise nue carrément. Non mais je savais qu'il y avait un piège, parce que pour moi les autres trucs, échec et la dentelle, j'y pensais pas, mais échec et ventre. Ça c'est chaud. Au supermarché, de quelle couleur est le bouchon d'une bouteille de lait écrémé? Waouh, bleu. Vachement dur. Ça peut être rouge, parce qu'il y a des bouteilles rouges. Mais les rouges, c'est du entier. Les écrémés, ouais, du entier, ouais. Oui, non mais cherchez. Aussi, je bois pas du entier. Salut Tézi, la ferme. Du entier direct de la ferme, c'est clair. Ah, c'est dégueulasse, le lait entier. Enfin non, c'était pas du entier, mais du direct. Bah si, ça, il est pas filtré. Ah. Elle est verte. La demi... Ah, c'est hein pas demi, c'est écrémé. Mais non, c'est fait niquer. C'est pas demi écrémé, c'est écrémé. Oh putain. Expérience, quelle couleur est le bouchon d'une bouteille de lait écrémé? Ah oui, c'est pas du demi, on a répondu trop vite. On a répondu pour du demi, nous. Oh, les cons. Bah, même BK a mis B. Oh, mais non, mais on a répondu trop vite, on a même oui, pas. Tout le monde a mis demi écrémé dans cette. En plus, on dit le lentier, c'est rouge. Et mais... oui, on se donne les autres questions. Les enfoirés. Putain, c'est des questions abusées, hein, ils piègent. Mais non, mais c'est juste vrai, mais putain, c'est fait niquer comme des bleus, justement. Comme la couleur qu'on a mis. Putain, mais on est trop con. On est trop con. Oh non, c'est abusé. On a arrêté de dire avant que la question soit finie de sortir, ça, on s'est dit la couleur demi écrémé, c'est bon, c'est. On réfléchit au rouge, mais non, mais. C'est pas possible. C'est marrant. Putain, on avait bien géré là, on montait. Ah non, on avait dit, ouais, mais. Putain, mais on rachète. Plus loin que ça, sans Joker, c'est pas possible. Ah, mais c'est. Attends, sans Joker, c'est... on peut, mais. Après. Au moins, taper le Joker, genre pas avant les 8000, ce serait bien. Mais bon. Bon, je vais essayer de speeder le début parce que si c'est une question trop simple, parce que. Vous avez été trop vite, mais grave. Les betteraves sont des plantes cultivées pour leurs racines. Ouais. Est-ce que c'est votre dernier mot? Pas répondre à la va-vite. Bah ouais, j'avoue. Tu vas jamais faire le million, mais c'est trop dur. Quand une personne fait des manières, on dit qu'elle fait trop de chichi. Bah ouais. Oh, j'ai cru que t'avais pas fié. Si, mais du temps. En 1492, Christophe Colomb a réussi à maintenir son cap vert vers le Nouveau Monde grâce à la météo d'Elia, une boussole. Oui, mais je sais. C'est que je me suis speedé. Son smartphone, l'appel à un ami. En 1492, c'est arrivé souvent. T'appelais tes potes avec ton téléphone portable. Ouais. Ton appel qui vient de sortir, souvent c'est ça. Selon l'imagerie chrétienne, qui détient les clés du paradis? Pierre Desproges, Pierre Richard, Saint-Pierre, Pierre Palmade. Evelyne Delia. Quoi a été écrit les 10 commandements sur ma place. Selon la Bible, sur quoi étaient écrits les 10 commandements? Un parchemin, une ardoise, un papyrus ou une pierre? Un papyrus, non? Non, une ardoise, une pierre, merde. Ah ouais? Je vais choisir la réponse. C'est tablette. Il fallait faire un choix. C'est tablette.
C'est des tablettes. T'es sûr de toi là? C'est des tablettes. C'est des tablettes. Une pierre, tout le monde dit une pierre, ouais. Putain, il met la pression lui. Ah là, je badais, c'est pour ça que je commence à répéter ça parce que je badais, je savais plus comment. Mais dis-moi, donnez la réponse. Est-ce que c'est ardoise, est-ce que c'est pierre? Du coup, j'avais doute, mais non, parce que c'était les tablettes. Salut Fifcam, la forme. Là-bas, c'était bien sur une seule pierre et puis c'était remis sur une autre. Complétez ce tube de Dalida, laissez-moi danser. Laissez-moi danser, chanter en liberté. Tout l'été. Pour rêver sans regret à jamais ou tout l'été. Laissez-moi danser. Je sais même pas c'est quoi l'air. Mais si, c'est ce qu'ils avaient repris la Star Academy. Chanter en liberté tout l'été. Bah oui, c'est tout l'été. Ah oui, ouais. Parce que les miens, dis donc. J'aurais pu faire The Voice, mais ils m'ont dit quand même, reste. C'est quoi? Qu'est-ce que l'organza? Un fromage? C'est un fromage. C'est possible. Bah, c'est un fromage. T'es sûr? Bah oui. Certaine? Sûr et certaine. Okay. Parce que ça me paraît bien. Je suis sûr et certaine. Par contre, si tu m'as dit une mauvaise réponse, ça me dit. Oh là, mais putain, je m'en fous. On dit qu'il fallait laisser répondre à une question. Mais non, mais regarde, ils disent tout ça. Ah, un fromage. Et parce que ça sonne bien pour un fromage. Vous savez même pas ce que c'est. Vous dites, mais vous en savez rien. Message retiré, arrêtez de retirer. Quoi. Non, mais je rêve. Mais ils ont dit comme moi. Mais attends, l'organe. Mais ils sont sérieux. Mais je te jure qu'un fromage, ils s'appellent. Je m'en doutais en plus. On dit, elle répond comme ça, sûr, tu sais que c'est faux. Mais arrête! Non, mais je suis pas la seule, ils sont au moins 3 ou 4 à avoir dit la même réponse que moi, alors arrête! A chaque fois, dès que tu laisses Angie tout seul, en fait, c'est le premier nom qui lui dit quelque chose. J'ai confondu avec le Gorgonzola. Et oui, c'est ça que moi je pensais aussi quand j'ai vu le nom. Le Gorgonzola. Et je me suis dit, mais ça sonne bien, quoi. Un tissu, tu savais que c'était un tissu, mais toi? Non, mais j'en savais rien du tout. Personne savait. Ça, je vais pas dire c'est ça, j'en sais rien. Mais par contre, je trouvais Angie, que c'était. Le fromage, c'est Gorgonzola. T'es sûr? Oui, certain. Il a raison, moi j'ai pensé à ça aussi, donc quand j'ai vu le truc, c'est pour ça que quand t'as dit un fromage, je me suis dit bon bah. C'est pour ça que je t'ai dit t'es sûr, parce que quand même moi j'en savais rien. Et à chaque fois que je te laisse répondre toute seule, à chaque fois tu te fies. Mais j'étais pas toute seule à avoir dit ça en plus. Oh. Mais non, mais tu te fies au mot qui te dit quelque chose, mais c'est, on sait pas s'il a rapport avec la question des fois quand t'as un doute. À chaque fois c'est. Enfin, pas à chaque fois du coup, mais des fois quand t'as bah, un doute. Bah ça va, je me suis trompé, souvent. Ça arrive. Oui, ce que je veux dire, c'est le propos du comment. Quand je te laisse répondre. Bah, Simo, il nous fait perdre, mais. Tu sais pas. Mais comment elle s'appelle tout le temps, le Julie, voilà. Chose, mais Julie. Qui a rien à voir avec la question, donc c'est le problème. C'est juste ça. C'est pour. Donc, puis un truc qui est vide. Non. Ah, je rêve. Les 48 000, on a du mal parce que on n'est pas synchro, on n'est pas bien organisé entre nous. Y'a un problème. Ça va mieux avec une fille. Faire un mieux avec une fille. Maman. Une fille, mais ça dépend. Parce que là, je l'ai laissé répondre, vous pouvez pas dire le contraire. Non, bah, ils ont dit pour moi, sans rien. Mais non, mais dès qu'elle dit, c'est Rami avec une fille. Et du coup, c'est la fille qui a répondu là. Moi, ce qu'on fait tous à longueur de journée. Hein. De... Bah, l'autre, je sais pas, il chante, il dit je retourne gagner mon argent peut-être. On va taper. Ouais, si, je sors du taf. Et puis en plus, on gagne pas d'argent à faire les millions. Il faut que je ne pas le million. Ciao, Spider. Bon courage pour le taf. C'est que le début, pas comme un autre. J'ai pris la bombe pour faire plaisir en 10, puis moi je me suis dit que c'était pas bête parce que c'est passé pour un con au moins, bah, une blonde, c'est logique. Mais...
Salut Deadpool, la forme. Oh, c'était dur. Ouais, on passe tout. Quelle carte n'existe pas dans un jeu de 5 pour toi? Quelle carte n'existe pas dans un jeu classique de 52 cartes? J'ai menti, j'ai pas laissé une réponse. Bah, en même temps, le roi de cœur est lié, le valet de trèfle, la dame de pique. Je sais pas quoi, mais quand même. Merci, est-ce que vous êtes pas sûr que. Oh là là. Complétez les phrases, c'est sur son fontaine. Le bon roi d'Aglobert a mis sa culotte à l'envers. Ah ouais, c'est beau. En de ma jeunesse. Ouais, j'étais très jeune. Complétez cette morale de La Fontaine. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de la société. Celui qui l'écoute, sa mère ou son attaché de presse. Ok. Bah, de la société. De celui qui l'écoute. Tout flatteur. Ah, c'est La Fontaine. Bah oui, celui qui l'écoute. Non mais j'ai pas... Vous voyez, alors après dites-moi, mais tu vois, en fait, c'est comme si dès qu'elle a vu un truc qui peut lui dire quelque chose pour une autre raison, bah elle se jette dessus en fait. Sans savoir si ça a rapport avec la question. Du coup, il y a problème. Ouais, ça va. Moi, je la connais pas la citation de La Fontaine, mais un flatteur... Bah après, c'est pour ça qu'après j'ai vu La Fontaine, j'ai dit ah non. Que personne n'apparaît jamais dans la table d'utilisation. Quelle opération n'apparaît jamais dans l'étape de multiplication des écoliers? 3 x 3, 3 x 5, 3 x 10, 3 x 1. Heureusement que j'étais là. Sinon, on mettait la société à la question d'avant, puis on était mort. Voilà, énervé lundi, je la sens. Ouais. Ouais, elle va nous faire ça. Le million après. C'est pour ça que je fais exprès de l'énerver parce que. Ouais. Comme ça après vous allez voir, elle se vénère, elle va faire un million, c'est cool. Un jeu pour toi. Lequel de ces adjectifs fait référence au cœur? Cardiaque, thoracique, gastrique ou bronchitique? Vas-y, ah. C'est pour moi. J'étais pas sûr alors. Bon, par contre, j'ai l'impression que le jeu a vu que c'était une blonde et que du coup ils mettent les questions plus simples. La candidate est blonde et j'ai l'impression que du coup ils mettent les questions plus. Franchement, je me demande. Mais non, mais t'es grave. On est rendu à combien là? On est à 1000. On les a passés, on est à plus. Hein. On a passé le palier. Hein. Dans quelle ville britannique se trouve le Victoria and Albert Museum? J'hésite entre deux. Bath, Londres, Manchester, Birmingham. Si y en a un qui a une réponse, n'hésitez pas. Par contre, je tente quand même un truc. Enfin, je suis obligé. Alors là, j'en sais rien du tout. Moi, je dis plein de toute façon. Ouais, on est déjà à 2000, on est déjà à 2000, quoi. On est pour 4000. Là. Alors que, tu vois, c'est pour ça que j'ai des questions, j'ai pas l'impression qu'elles soient aussi vénères. Cousin, tante, ami d'enfance ou collègue? Moi, je tenterais le cousin. Hein. Ah non, mais non, tu rigoles, britannique. Non, la tante, moi, je dirais. Ah. Il y aura peut-être une bonne réponse, mais sur ta logique, je sais pas du tout comment tu l'as dit, Angie, mais là, il y a... Quoi? J'aurais dit... Ouais, j'aurais pas dit ça du tout. On va voir. Et j'ai appuyé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai cliqué sur la meuf. Bah... ok. Putain, il s'est rien passé, j'ai cliqué sur la meuf. C'est quoi ce jeu de merde, là? Bah normalement on avait la meuf qui est au téléphone. Mais oui, normalement j'attendais ça moi que ça se lance. C'est quoi ce bordel là? Putain. T'es ressorti. Et j'ai fait croire. Bon bah il a bugué, super, c'est bien la peine. C'est quoi ce jeu de merde? Ça a bugué. Je sais pas ce que t'as fait moi. Salut à la femme, la forme. J'ai plus sur la même touche depuis tout à l'heure donc c'est facile. C'était Londres. Mais même, je m'en fous, fallait le Joker, on était sur le Joker là. Ah mais oui, mais... Ouais, mais bah, de toute façon, ils ont mis la réponse. Mais je trouve, c'est quoi cette histoire là? Putain, t'es bien parti. Putain, ça a fait deux parties confort comme mais ça. Non, mais non, t'es bien parti, putain. Non, tout à l'heure, c'est ma faute, là, c'est pas de ma faute, c'est ça le truc.
Quand on fait un footing, on ressent parfois une douleur vive au thorax appelée point de côté. Bah oui, point de côté. Oh, ça me vénère. Point de côté. T'es pas le nombre des années, les cornets. Ça, c'est fou, bah, on dit. Franchement, j'ai plus 10 fois sur la touche, mais bon. Ah, oui, non, mais. Cette position correspond à une structure sur laquelle les enfants grimpent dans les parcs de jeunes enfants. Laquelle de ces propositions correspond à une structure sur laquelle les enfants grimpent dans les parcs de jeux pour enfants? La cage au lion, la cage à hippopotame, la cage à écureuil ou la cage au tigre? Bah c'est la cage aussi. Oulolo. Cage à écureuil, ou. Je sais pas. J'allais Sandy dire... pour cette petite précision. Quoi? Cage au tigre, t'as dit. Non, j'ai dit mais. Oh putain. Tu savais pas aussi, t'as hésité. J'ai hésité, mais. À quelle couche de l'atmosphère terrestre les gaz aérosols du style? De bosone, de crozone, de ozone ou d'ozone? Bah oui, d'ozone. Ah mais ozone aussi. Cage au feu. Quel jeu de plateau consiste à retirer des éléments du corps d'un patient tout en évitant d'allumer l'ampoule rouge de son nez? Putain, moi je jouais à ça quand j'étais petite, c'était quand même. Je sais pas si ça existe encore ce jeu-là. Danse avec les stars. Quelle chanteuse a réintégré le jury de Danse avec les stars en 2018? Jennifer, Loan, Shame ou Zazie? Juste entre ça. Danse avec les stars. Shame. En 2018, hein. Mm. C'est Zazie, non? Non, parce que c'est Shame, parce qu'elle l'avait fait l'année d'avant, en fait. En tant que candidat. Personne ne sait. Je crois que c'est ça. Ah ouais. Elle l'avait fait l'année d'avant en tant que candidat, c'est jamais un MC. Et elle avait été, je crois, elle avait été loin, et du coup, j'avais pas suivi spécialement, j'ai jamais regardé de ma vie ça. Par contre, j'ai juste entendu les émissions qu'elle avait été. Ah là là. Qui a écrit Le soleil se lève aussi et l'adieu aux armes? Donc là, on se la refait, mais cette fois, il n'y a pas de tralala bling bling. On prend qui là? Cousin, tante, ami d'enfance, collègue. Angie? Comme tu veux, je sais pas. J'ai pas laissé trop. J'ai cru que t'avais pas appuyé là. Non, c'est que j'ai appuyé deux fois pour aller, pour être sûr que ça appuie parce que du coup. Voilà là. Par contre, j'espère qu'il a raison, j'ai pas suivi, on n'a pas vu du coup s'il était sûr de lui aussi. Un peu quoi. GG, ouais, réponse B, elle a dit quelque chose. Ouais, mais je sais pas si c'est écrit. Ça dit, c'est The Voice. Ouais, bah oui, il me semblait bien l'avoir vu quelque part. Dans les jeux vidéo Mario Kart, quelle arme permet de rétrécir la cicule des adversaires? Ah bah oui. Ah ouais, l'éclair. Franchement, je sais pas si j'aurai le temps, il fallait que je réfléchisse. Bah, j'ai réfléchi, mais ça vite. Pourtant, j'ai pas joué à ça, mais. Je suis pas trop Nintendo à cause. Quelle était la nationalité du général de l'Antiquité Hannibal? Grec, Carthaginoise, phénicienne ou macédonienne? Phénicienne, oh lolo. J'avoue, je sais, qu'est-ce qu'elle a à dire? Pénicienne, oula! Pénicienne, ça viendrait du pénis, c'est bizarre. C'est ce que je pensais au début, mais vu que j'y connais rien, je voulais pas trop. Carthage. Dédit. Carthage, c'est peut-être aussi bizarre. Il dit D, Arnaud. 70%, il était quand même. Il est public là.
choix est fait. Ah ouais. Putain, faut pas faire de mauvaises manières. Ouais, le deuxième palier, là. Alors là, vous pouvez peut-être nous aider, là. Lequel de ces monuments parisiens se situe sur l'île de la Cité? Le Sacré-Cœur, Notre-Dame, Notre-Dame. Oui, non, mais la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe? Qui c'est qui est de Paname, là? Attends avant de dire. Oh, putain, mais la personne qui est capable de réponse B, non, elle a dit. Je sais pas si c'était celle d'avant, en fait. On sait plus où vous êtes rendu quand vous dites A. Ah bah non, raté à Arnaud. Notre-Dame ou la Tour Eiffel? De toute façon, je pense qu'il me semblait que c'était pas la Tour Eiffel. Enfin, j'espère que c'est pas. Je connais pas assez Paris pour être sûr de moi. Enfin, rien du tout. Hein. GG. On a quand même utilisé un joker là-dessus, on aurait pas dû. On n'a pas dit, je crois. Qui ou est-ce que c'est? Qui ou qu'est-ce que c'est? Ah ouais. Des horreurs. Un dentiste maléfique, une boutique de fleurs, une voiture possédée ou une plante carnivore. La petite boutique des... Putain, mais t'arrêtes pas de prendre des jokers. Des horreurs. Une dentiste maléfique. Qu'en veux-tu savoir? T'es sérieux? Sans joker comme ça. Mais non. Oh merde, c'est le film, il s'appelle la, c'est la plante carnivore. En plus, c'était de Paname. C'est la plante, oh là là. C'est la plante. C'est la plante, mais oui, c'est la plante. Mais qu'est-ce que t'as fait? Parce que j'ai mal lu la question. Mais pourquoi t'as pas pris un joker? Mais putain, mais tout. Tu vois, tu dis de moi, je suis trop sûr de moi et tout, machin, machin, quand j'appuie, quand je te dis. Et toi, tu fais pareil en vrai. Une Audrey, une Andy, c'est la plante. T'étais trop sûr de toi, là, c'est vous voyez, je savais que t'allais perdre. Qu'est-ce qu'Audrey 2 ou qui est? Putain, 24 000, on est pour en. Et en fait, ce qui m'a troublé, c'est quand j'ai lu. En fait, moi, je croyais que c'était le. Je me suis planté. Bah, putain, on a ramassé 200 neurones. Bah oui, parce que 24 000, on est au deuxième palier, c'est pour ça que j'ai pris le risque. Putain, on sera bon. C'est que j'ai mal lu la question, je l'ai compris dans l'autre sens. Je me suis dit, j'ai compris. J'avais oublié le Audrey 2 en fait. Moi j'étais rendu sur qu'est-ce qu'est la petite. Tu vois un peu comme Angie tout à l'heure en fait. Bah tu vois, tu dis de moi, t'as fait exactement pareil. J'ai fait Angie, c'est ce que je voulais, ce que j'ai dit après, mais. Sauf que je suis bourré, mais j'ai la question en même temps, j'ai dit Audrey, mais c'est Angie, je parlais. T'es sérieux là? Mais putain, la misère. Mais non, n'empêche qu'on a pété 200 trucs, mais j'étais con, bordel. 784. Mais j'ai dit j'étais con, quoi. Oh putain. Bon, Bon, putain, Non, là, j'ai... Putain, je suis dégoûté. C'est parti. Jouons ensemble à Qui veut gagner des millions? Vous avez 15 questions pour atteindre le million. Êtes-vous prêt pour cette nouvelle question? Mais c'est votre dernier mot? Ce sera mon dernier mot. Bah, j'ai... ça s'entend un peu. Tu le fais quand il y a des sons, des gros sons. Tu
Bien. Chaque hiver, les cigognes sauvages d'Europe skient alpeusement. Ils ne se récoltent pas des plumes non plus, je pense pas. Ah, y a moyen. Elles prennent l'avion. Chaque et hiver, les cigognes sauvages d'Europe skient à l'Alpe d'Huez. Elles prennent l'avion et elles se barrent. Le faux concon, ouais, c'était bien trouvé. Moi aussi, j'ai pensé comme toi. Genre, elle veut niquer le jeu. Allez, suivante, je suis prêt. Dans son œuvre, Marcel Proust se souvient des fameuses madeleines que lui offraient Mamie Nova, Papy Brossard, Tante Léonie ou Oncle Benz. Il est si bon, t'es sûr? Papy Brossard, c'est celle qui est pas une pub. Mamie Nova, Oncle Benz. Je savais pas, hein. C'est pour ça que tu m'as dit. C'est bien vu, hein. Bastien, hein. C'est pour ça qu'il rigole, hein. Vous avez pas capté, mais ouais, c'est capté. Mais t'es où? T'es pas là. Et ça conscrit, Vianney. Dans son premier tube, Vianney chantait mais t'es pas là. Oui, je suis caché. T'es là. Mais t'es où? Chut. Mais t'es pas là, je suis caché. Non. T'es où? Je suis parti. Tu le dirais pas. Mais t'es pas là. Mais t'es où? Je sais pas, je ne vois pas où je suis. Je suis aveugle en fait. Je suis pas là. Imagine le truc. Je sais pas si tout le monde a vu la parodie du Palma Show sur Vianney, mais elle est mythique. On peut faire de la pub. Attends, j'ai un PLS. Elle est en PLS, je vous le dis tout de suite. En France, quel type d'accent peut se trouver? Sur toutes les voyelles sauf le Y. Oh putain. Ah oui, bah ça va. J'ai eu peur. Je suis commencé pas avec les questions à la con. Non, je suis pas sûr. Rebecca. Quelle est la particularité? Bah, je sais plus moi. Angie, il va falloir que tu m'aides. Quelle est la particularité physique de Nemo, le poisson clown de Disney? Une nageoire atrophiée, un nez phosphorescent, des écailles dorées, une cicatrice à l'œil. Ouais. Si je m'écoutais, je mettrais ça, mais j'en ai aucune idée en vrai. Béka, t'as répondu pour Nemo ou pas? Une petite nageoire. Une nageoire atrophiée ou une petite nageoire? Mets ça. Il a pas un nez phosphorescent, il a pas. Moi j'ai jamais vu Nemo, j'ai dû peut-être voir des extraits, mais j'en sais rien du tout. Et franchement, bah, c'est bien les amis si c'est ça. Je pense que ça du coup, vu que c'est un rapport avec la nageoire. GG! Bien joué les gars. Et la fille, pardon. Consultez cette... Avec une flèche qui nous emprisonne. Non, qui nous illusionne, c'est ça. Cherchais le mot, mais j'étais pas sûr. Emprisonne ou illusionne? Emprisonne, pardon. Ça m'a donné. Les deux me venaient, c'est pour ça, pardon. Emprisonne, oui, si c'est le premier truc que j'ai pensé. Après, j'ai pensé illusionne. On s'attache, on se pose avec une flèche qui nous emprisonne. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. Après, va dire que c'est personne ma faute. Non, parce que en plus, tu m'as évité de faire une connerie. Parce qu'au début, je pensais emprisonne. Non, c'est emprisonne, je crois. Illusionne aussi, il dit à un moment, je crois. C'est pour ça que j'ai un doute. J'ai un doute, parce qu'Illusion, je crois qu'il le dit dans la musique en fait. Mais ouais, tu vois, j'avais dit. Putain, au tout début, j'ai pensé en prison, mais je me disais que la flèche, c'est bizarre.
Et après, je me suis dit, Illusion, il le dit en plus dans la musique, dans le refrain aussi, je crois. Et du coup, j'avais un doute, parce que je me suis dit, Illusion, d'une flèche, c'est possible. Et du coup, j'avais un double doute, putain. Mais ce qui est chiant, c'est ça, c'est que... On trouve toujours le moyen de se foirer tout seul, on les a les bonnes réponses en plus, c'est ça qui est énervant. Parce que Illusion, je savais qu'il le disait, et je savais plus à quel moment, et en prison, j'y pensais tout de suite. Mais vu qu'elle sortait pas, je me suis dit, Illusion, c'est bon. Et en fait, après toi, tu m'as dit, mais non, c'est en prison, et du coup, je me suis dit, en prison, c'est vrai que ça me revient qu'il le disait aussi. Du coup, putain, c'est chiant, ça. Bon, again. On sait pas, on prend Massimo, parce que c'est une star. Finir par en mettre en francs pour voir si on a au million. Non, mais je suis pareil qu'en francs, on n'y arrive même pas, mais juste pour voir. C'est des questions. Moi, je suis pas là pour faire le mieux. Bah, on n'arrive pas à aller au million. Ouais, mais je préfère, tu vois. Ça peut être marrant en francs aussi. Ouais, mais au moins, ça nous entraîne, tu vois. Avec me galérer, le jour où on arrivera, on se dira putain, c'est qu'on est vraiment des stars. Ouais, je pense pas qu'on va y arriver, ça. Barry. Après, ben, on va tester si vraiment. Mais... En 1990, Pretty Woman a réuni à l'écran le beau Richard Gere et la magnifique Juliette Binoche, Julia Roberts, Julie Depardieu, Julie Gay. Vachement dur. Réponse B. C'est grâce à Massimo, toi. Quel peuple vient historiquement de Scandinavie? Pff, à force de lire aussi, c'est maintenant. Je vais pas essayer d'y répondre parce que j'ai peur qu'on dépasse le temps. Je suis pas obligé de lire, vous voyez finalement. Franchement, je commence à pur entre le taf, monde qu'on a eu aujourd'hui en plus. On peut plus te parler. Maria Carré, je pense. Ouais, je m'en doutais que vous allez mettre. Quand j'ai vu Maria Callas, je me suis sûr de mettre Maria Carré de l'autre côté. Allez, cool, putain. Alors là, ce serait Booba. Si, lis-moi ça, bug, mandat. C'est vrai, t'es sérieuse. Mytho. Vous avez vu la punchline de Booba sur la Vierge Marie? Gars, son point catholique, forcément, il sait qu'il n'y aura pas de. Ah ouais. C'est pas là, il a dit, ouais, c'est pas la prochaine. Il se fait tailler. Je te jure, c'est vrai, en plus. Ok. Je sais plus c'est quoi la prochaine. Laquelle de ces propositions est une discipline de tir? Le bull trap, le ball trap. Ouah, le ball trap. Là, il s'écrit comment? BA2L. Ah ouais. C'est sûr que ça s'écrit pas BA2L. C'est pas une balle que tu lances. Bah je sais. Salut Wesh la forme. Si vous aimez l'ancien, vous pouvez aménager votre intérieur avec des meubles de style Louis de Funès, Louis Bertignac, Louis Baudin ou Louis Philippe. Louis Philippe. Louis Bertignac. C'est que c'est NG au moins, Louis Bertignac. Bah oui, je sais qui. C'est parce qu'il fait de la cuisine. Bon bah non du coup. C'est pas que c'est Louis Bertignac du coup. Je vous le dis tout de suite. Donc c'est un guitariste, je crois bien même que c'était le guitariste ah du téléphone. Ah oui, guitariste, voilà. Non, je crois bien même que c'est le guitariste du téléphone. Mais c'est un guitariste en tout cas qui est très chaud. Un compositeur de musique. Non. Auteur, compositeur, interprète, même. Non, interprète pas, mais musicien. Même. Encore que je dis interprète pas, c'est surtout. Bouger. Ok, sur le téléphone, je crois. Du coup. Quel est le sport national au Japon, Angie? Moi je pense que c'est le basket. Le sumo, le karaté. Le sumo, bah oui, le sumo au Japon. Il y a des compétitions sur l'équipe 21 des fois. Margot Fontaine est connue pour avoir été chanteuse d'opéra, ballerine, peintre ou autrice. Là. Vous en pensez quoi, les amis? Margot Fontaine, c'est qui? Salut, Faith. Je sais pas. Oh. B, ballerine, elle dit.
Ah ouais. Putain, t'es trop fort, le gars, il a trouvé. Angie, c'est pas que c'est lui Bartignac, alors on a rien compté, mais... Ah mais si, je vois, c'est qui? C'est celui qui a les cheveux gris, là. Ouais, ouais. Qui a fait, je sais plus quelle émission, là. Ouais, il a dû faire une émission, ouais, il a dû être juge, en tout cas, ça. Ouais. Ouais. Maintenant, je sais qui, tu vois, je sais qui. Ah, lui, c'était un gars de téléphone, je sais. Ah non, que tu me dis. Et lui, je confonds Dieu, il est super gentil dans la vie, en plus, ce mec-là. Il est vraiment... Vive Google. Bon, je pense pas qu'il a triché, il a pas le temps. En 1956, en France, une loi interdit enfin à l'école pour les élèves le châtiment corporel, l'huile de foie de morue, ok, le vin à la cantine, le bonnet d'âne. Juste entre deux, là. Bah, c'est... Soit celui-là, ou le bonnet d'âne ou le châtiment corporel. Moi, j'aurais dit le châtiment en 1956. Ah, non, attends, bah, tu restes combien de temps? 17 secondes. Réponse D, le bonnet d'âne. Moi je pense que c'est le bonnet d'âne, mais. Le vin à la cantine. Le châtiement corporel, tu sais, avec des... les règles, il te défonçait. Donc ouais, c'est ah ouais, attends, il ouais. dit. Il te mettait des coups de pied au cul des fois. Pourquoi il dit c'est Arnaud lui. Le vin à la cantine, mais. Non, c'est pour chambrer. Bah oui, heureusement. Bah tu vois, ce tournant, il avait d'idées. Ouais, moi j'avais dit le châtiment. Je l'ai dit depuis le début, le châtiment. Tu disais bonnet d'âne. Non, j'ai dit. C'est après. C'est... Non, j'ai dit châtiment. C'est pas moi qui disais le bonnet d'âne sur la live. Ça me parle trop. Oh enfin, à la cantine. Ils ont fait forcer d'un pour coup. Pour les écoles de... Ils avaient triché là pour assister comme ça. Ils buvaient du vin à l'époque. À quel âge? Mais à l'école, à l'eau. L'école. Ils ont raté l'école à 12 ans à cette époque-là en plus. Il y avait du vin à l'école. Non mais c'est chelou. Mais vas-y, c'est quoi leur question abusée là? Mais moi je pensais vraiment, tu sais, au coup de règle ou au truc comme ça. Ah, mais les questions, comment tu te fais avoir? On a que des questions là. On se fait avoir sur des questions à la con. Ouais, à non, bah là, fois. Elle est pas vraiment à la con celle-là. Parce que moi, bah, je pensais bizarre, pas qu'il buvait ouais. du vin, tu vois, par contre. Mais. Ouais, bon, enfin, moi, je sais que j'ai entendu qu'il se faisait friter par exemple à coup de règle ou des trucs comme ça. Et que je trouvais ça. Il leur faisait boire du vin, tu vois, ça. Mais non, mais c'est. Tu pouvais. Ils pouvaient boire du vin, les gamins. C'est au niveau de l'âge que je me demandais, moi, c'était. Ça commençait quand? Une dernière après, on met en France, genre moi. En France, c'est juste pour voir, hein, parce que quand même, je pense qu'on y arrivera. Alors après, ça dépend, parce que si c'est des questions vraiment sur les trucs enfantins, du coup, tu sais, sur les trucs. Tout bah, moment, justement, on va voir. Enfants, c'est juste pour curiosité, voir comment c'est enfant. Bon, on va essayer un autre gars. Ton enfant après. Ouais, c'est Georges. T'as eu oui, c'est Georges. Lui, c'est un 42 un ans. Lui, un Solman. J'ai pas vu, c'était quoi, c'est. Solman. Un peu voir. C'est profession. Oh. Merde. Il faut te dire que mais quand même c'est bien fait quand les personnages sont pas là, je trouve. J'ai l'impression d'arriver sur le vrai plateau télé. C'est clair. Bon, là tu pourrais dire c'est le début de l'émission, tu sais, tu pourrais pas te dire c'est quand, t'es, quand t'as, tu vois pas trop les détails en fait. Mm. Il se présente pas, c'est dommage. Enchanté, moi c'est machin, mais je viens de tel endroit. Ah bah un pauvre, on n'a pas le temps. Camille, mais attends, au prix du jeu, il y aura plus. Putain, mais il y en a beaucoup, il y a 5 jokers en fait. 4. Putain, mais à chaque fois on en utilise que 2. Le truc en on haut, c'est pour avec tes ah ouais. Ah oui. Le truc qui sert à rien, quoi. Bah si, parce que si tu veux gagner des points après. Là, ah oui. Si t'es entre deux paliers, bah. Ah oui. Quand on vous dit on utilise le système D, cela signifie démerde-toi. Débrouille-toi. Ouais. Ah, c'est la musique, c'est la vie. Je pense que la bonne réponse est la B. Ah, mais c'est hyper dur le million, t'as vu les questions, franchement, c'est abusé. Non, mais il arrive le million, t'inquiète. Parce que quand je il rigole, mais tu nous aides pas non plus beaucoup. Hein. Parce que le Parisien tout à l'heure, il sait même pas c'était quoi la question. Mais c'était la B, la réponse. C'était la question Notre-Dame sur... sur l'île. Notre-Dame. L'île de la Cité, un truc comme ça. L'île de la Cité, ouais. Quel, voilà, il savait même pas ça. Alors ça. Sur l'île de la Cité, une connerie comme ça. Voilà, coup, c'est pas dur. La réponse. Pardon. Les clients ont toujours raison. De l'argent aussi, si les clients.
Compléter cette maxime, le client a toujours de l'argent, a toujours faim, a toujours le temps ou a toujours raison. Ouais. D'ailleurs, putain mec, j'ai pas été très client, très commerçant. Le roman érotique 50 nuances de Grey est l'œuvre de James Bond. L. James, Marian James. L. James. Parce que James Dean, c'était un acteur ou un chanteur, je sais plus. James Bond, on connaît tous. Marian James, c'est la grosse oui. Qui chante. Chante, mais qui chante plus, mais qui fait putain bien joué ensemble. Qui. Merde. Elle a fait Nouvelle Star ou je sais plus quoi, elle était juge. Voilà, je cherchais. Elle fait pas comme le genre. Ouais. À l'origine, les Saint-Bernard sont des chiens élevés pour aider les voyageurs dans quelle chaîne de montagne? Les Alpes, les Pyrénées? Les Rocheuses ou les Andes? Je pense savoir. Les Saint-Bernard. Oh. C'est pas les Pyrénées, c'est sûr. Et les Alpes, ouais. Enfin, ça peut être que les Alpes. Hein. Ils disent quoi? Là, je sais pas où ils sont rendus à chaque fois. Il y en a qui disent carrément. Mais non, bah tu vois, si tu en as bien joué, est-ce que... Et tu pourrais dire bien joué, moi je t'ai dit les Alpes ou... Ah mais j'avais déjà répondu. Mais du coup c'est facile, quand t'as vu la réponse. Mais non, parce que en fait, il y avait que les deux possibilités que ce soit dans ce... Bah, les deux... Quelle est la particularité du rallye des gazelles qui a lieu tous les ans depuis 1990? C'est facile. Le rallye des gazelles, ok. Bah oui, c'est facile, c'est plus que ça. Non, mais le d'avant, c'est que si tu veux, dans les Pyrénées, il y a déjà. Moi, je sais que j'ai déjà une race de chien chez moi, déjà. Genre, ma mère a déjà eu ce chien-là, bah oui. En montagne des Pyrénées. Du coup, bah, il va pas y avoir 36 races qui correspondent à l'endroit, tu vois. Fin... Donc, il y a un moment, il n'y avait que les Alpes où je voyais pas c'était quoi la race de chien, et les autres, je me dis pourquoi nous marrer chez nous si c'était si bon. Dans Le Seigneur des Anneaux, les zombies ont la langue bleue. Si on a dû l'avoir, c'est... Mais je sais pas. Les dents pointues, de petites cornes ou de pieds poils, ou les pieds poils. J'ai jamais vu Le Seigneur des Anneaux, qui c'est qui peut répondre? J'en sais rien non plus, j'ai jamais vu. C'est pas mon style de film. On va niquer un joker, je suis... Ah, de son, ils ont pas... Personne sait là. Réponse D, BK. Les pieds poilus. T'es sûr, Becca? Vas-y, écoute là. D, ouais, elle insiste. D. Franchement, j'en sais rien. Merci pour l'aide, parce que moi, j'ai jamais regardé le Seigneur des Anneaux. Je sais que mon père était fan, mais. Sûr 100%. Ok. Après, quel suspense. Que... Attention, GG. En gros, ça va pour nous aider quand même, parce que... Bien joué, Renaud. On n'a pas besoin de son appel à mamie, okay. Son public et tout, nous. On a notre public. Quel circuit de Formule 1 Casino Square fait-il partie? Alors, putain, tu sais pas ça, toi, hein. J'en sais rien du tout. Silverstone, Magny-Cours, Imola ou Monte Carlo? Je crois, mais... Moi je dirais à Monte Carlo. Ah mais si t'es pas sûr, tu fais d'un joker. Hein. Moi je dirais à Monte Carlo, sérieusement. Attends, on dit qu'il reste au moins 10 secondes, tu sais répondre. Ah. Est-ce qu'il y en a qui pensent comme moi Monte Carlo? Silverstone, Casino Square, vous êtes sûr? D. Mais ah oui, moi aussi. Monte Carlo. Moi aussi, parce qu'il y a le casino à Monaco. Monte Carlo, Arnaud. Vas-y, mets D, ils sont 3 à dire de Monte Carlo. Ah, Saturnin, il dit. J'ai fait appeler le circuit en plus. Saturnin, il insiste trop, lui. Silverstone, t'es sûr? Il insiste trop, Saturnin. Ouf, putain, Saturnin, tu m'as fait douter. Je me disais aussi, je vois pas pourquoi il y aura un casino à Silverstone. GG. C'est plus ça qui m'a quitté. Après, c'est de l'angoisse. GG, ouais, GG, Arnaud. Mais non, en plus, Monaco, je l'ai fait à pied, moi, le circuit. Et
Le problème, c'est que je connais pas les noms spécifiques des trucs, en fait. Enfin, j'ai pas retenu. Le 26 juin 2019 est sorti sur nos écrans Toy Story 2, Toy Story 3, Toy Story 4, Toy Story 5. Le 26 juin 2019. Il a répondu, mais il a pas lu, en fait. C'est pour ça on est dans la merde. Moi, je dirais le 3, moi. Je sais pas quoi, il y a quoi, là. Passé, hein. Non, pas passé. Le public. Ils savent, c'est en 2019, la plupart. Ouais. Moi je dirais le 3 moi. 3 ouais c'est. 4 COD, les amis aidez nous C, dis tout C. Arnaud il est chaud. 3. Non ça c'était C, c'était réponse d'avant, non? Ah non, oh, je sais plus son nom de COD, oh là là, il nous aide vachement 40 à 38%, le 4 ou le 5. Par contre, c'est passé les gars là sur des. C'est-à-dire ils auraient fait un 5 depuis. Forcément, mais ça veut dire que tu en sais plus à combien d'argent. GG. T'as suivi Non, pas du tout. Moi, je te disais le 3. J'en sais rien combien ils sont rendus. C'est pour les enfants, normalement, Toy Story. On a connu, nous, un peu dans notre jeunesse, mais vite fait, quoi. Pas de 5. Ok. Ça, dans le Nord, pour obtenir la guérison d'un proche, on a coutume d'accrocher sur certains arbres des vêtements, des bougies, des clochettes. Saturnin, c'est pour toi ça. Des casseroles. Dans le Nord, pour obtenir la guérison d'un proche, on a coutume d'accrocher sur certains arbres des vêtements, des bougies, des clochettes ou des casseroles. Attends, faut réfléchir. Saturnin et nous. Dans le Nord. Saturnin et nous. Son chelou dans le Nord, Saturnin, on a besoin de toi. Des vêtements, des bougies, des clochettes ou des casseroles. Moi j'aurais dit des bougies ou des vêtements. Moi j'ai un doute entre deux, mais non, c'est pas des vêtements. On va plus avoir le temps. Ça fait quoi? T'as utilisé quel joker? Après d'un ami, mais je crois que c'est des casseroles ou des bougies. Des clochettes, tu dis wesh. Mais Saturnin, on va rigoler, réponds-nous. Mon appel qui est Pitard, ami d'enfance. C'est. Il dit des clochettes aussi, ça tu en moi. Hasard, c'est. Il a dit c'est lui aussi, le mec. Il a dit ah, t'écoutes, t'as dit c'est. T'es pas sûr de lui. T'écoutes tout le monde sur la vue d'écouter son ami d'enfance. Il a dit je sais pas, peut-être des vêtements, elle a dit. T'as pas écouté son pote. Mais t'es pas sûr, il m'a t'as dit je sais pas. T'as écouté le live. On vous a écouté, mais attends, m'a perdu. Mais gens, tu vois bien. Bah ça tu en as, tu sais même pas que c'est des clochettes. C'est ce que oh là là. C'est même pas la dire. Coutume de chez toi. C'est comme en tout plus, à l'heure. Sarpé, mais trop tard, mais oui, pour la cité à Paname là. Bah non, il l'a fait comme moi. La cité, putain. Oh là là. On était bien parti là pour commencer. Non, mais en plus, le mec est pas serein au téléphone, du coup, forcément, je me dis, bah, sur le live, il doit plus savoir. Et des bah, clochettes. Là. En plus, je me dis, Saturnin, à mon avis, il est quand même. 5-9, c'est dans le Nord, il me semble. Ouais. Ils ont dit hasard, c'est. Bah, ouais, mais quoi, faut pas nous dire si vous savez pas. Ah, putain. Je rigole. Oh, putain. Bisé, bon, on va dormir à mon oh, con, n'empêche. Hein, ouais, mais là, c'est énervant parce que. Non. Fallait écouter son pote. Des vêtements, c'était plus logique que des clochettes. Le mec, il dit qu'il est juste content de passer. Moi, j'ai dit des vêtements dès le départ ou des bougies. Et derrière, il te dit quoi? Moi, je pensais soit des bougies, soit l'autre d'en dessous. Je sais plus c'était quoi. Pour ça, quand il a dit des vêtements, je t'ai dit putain, fallait des bougies, l'écouter. Je crois, et... Vas-y, on met en enfant, on va rigoler. J'espère qu'il y a le million aussi. Ah, on met en enfant. Il y a pas un enfant du coup. Eng, pas... si, il y a Eng 19 ans, il dit. Mais Eng. Ouais, ça va être ça, je crois. Eng. Parce que Margaret, eh, on peut faire un vieux sur tout d'enfant. Non. Ça vous dit pas de faire ça. 75 ans sur tout d'enfant. Ça, mais non. Il fait des claquets. Arrête. Mais le jeune. Le jeune de 19 ans. Ouais, c'est vraiment parce que c'est petit con les jeunes maintenant, alors on va mettre ça. On se rigole. On était tous comme ça. On a mis enfant, on va rigoler. Bon alors là, vous avez intérêt d'être bon parce que y a plus d'excuses. J'ai jamais entendu ça, cette journée. T'es sûr qu'on va au million avec l'enfant aussi?
Eh, s'ils nous font gagner autant de neurones, moi je veux bien. Si ça se trouve, c'est des vieilles. Enfin, des vieilles traditions, c'est des trucs. Ils vont poser des questions que de, sur les dessins animés, on va rigoler. Ça n'a rien connu. Je connais plus les dessins animés, bah il y en a peut-être encore. Ah non, j'en ai plus beaucoup. Ils vont nous poser des questions, ouais, animés, j'avoue. Je suis comme ça. Des maths, des machins comme ça. T'imagines? Quelle est la petite la vache? Ça commence bien. On va monter au million ouais, direct. Là. On sait pas, 19 ans, vu ce qu'il a vu du fumer avant d'arriver à l'émission, ça se trouve. Lequel de ces mots ne contient que des voyelles? Là, c'est parce que. Oh. Attends. A, E, U, O, Y. A, E, bah oui, oui. Désolé, j'ai dû me refaire tous mes voyelles dans ma tête en disant un peu. Allez, quel roman de la saga Harry Potter est divisé en deux films? Harry Potter et les reliques de la mort? Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé? Oh, Harry Potter et la coupe de feu? Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban? Waouh, ah, ils disent tous A. Ah. J'ai dit un 3 AB, moi, tu vois. Bah non, non. Non, sérieux, là. Non, ils disent tous. Ah, ouais, tous. Salut Samir, ça va et toi? GG tout le monde. Putain, c'est compliqué. Non, moi je disais un 3AB, franchement, j'avais merde. Pas. Et... Lequel de ces noms n'est pas celui d'un dinosaure? Le triceratops, le vélociraptor, pardon. Ça existe pas, ça. Si. Le transistor. Oh, j'ai un doute maintenant. Non. Maintenant, le transistor, c'en est un dinosaure. T'es hein. Sérieuse? C'est le brachiosaur alors. Le vélo aussi raptor. C'est le brachiosaur alors, c'est le brachiosaur alors. Non attends, ils disent des, ils disent des tous. Transistor, un dinosaure, un dinosaure. Oui, je me disais, elle est folle, elle. Transistor, c'est une télé, c'est une disait qu'un dinosaure. Samia, vélo, il disait comme moi. Moi j'aurais dit pareil. Mais non, vélociraptor, c'est connu. En laboratoire, quel tube fin sert à prélever des liquides? Une pipette, une épuisette, un baromètre. Ah, prélever. Ou un autoclave, bah c'est pipette. Une pipette. Ouais, pipette. Bah oui. D'accord. Non, mais c'est sûr, c'est la réponse. Pas de travail. Ok. Bon bah c'était. Vu qu'il y a 19 ans, il va faire un. Je trouve qu'elles étaient plus dures, plus moins débiles que celles de pas enfant, les premières questions. Non mais celle de Harry Potter, elle a fait une baiser propre. Tu vois. Il y en a une autre d'ailleurs aussi qui a fait une baiser propre. Lequel de ces robots n'apparaît pas dans un film dans un film Star Wars? Vous voulez entendre un truc de ouf? R2-D2, je le dis à quelqu'un, BB-8, c'est un truc de ouf. Et bah j'ai jamais regardé un Star Wars de ma vie. Ou C3PO. Et à mon avis, je pense que c'est Terminator. T'es sûr? Ah non mais tu réponds trop vite là, oh là là, il me fait peur. C'est un autre film, ça peut pas être... Réponse C, ouais, ils ont tous dit C. C'est T-1000, Terminator. En plus toi, tu les as vus. Bah oui, non mais bon. T-1000 du coup, tu sais. Oui, j'avoue. Quel est con. Non, mais elle cherche aussi alors. Mais non, mais les films on les regarde ensemble et puis. Par contre, moi c'est pareil, j'ai jamais vu un Star Wars. Witch. Mais là, t'as vu les films où il y a les réponses et puis elle dit bah non, je sais pas. Quel type de paysage représente une grande ville? Un paysage urbain? Un paysage rural? Un paysage montagnard? Un paysage de littoral? Non. Bah, paysage urbain. Ça va, c'est... Putain, en fait, on est bon. Bah non, moi, c'est bah... un enfant. Oh merde, tu es con. Attends, on est pas rendu au million, parce que si on va pas un million en enfant, bah, franchement... C'est pas gagné s'il y a des questions. Faut arrêter à un moment donné. Enfant, on va tomber sur une question non, mais c'est trucs, si y a des trucs ouais, mais bon, ils connaissent... Nous, on est baisés, tu vois. Après, peut-être le live nous aidera, mais... Bah oui. Il y a beaucoup d'enfants sur le live. Je rigole. Je sais pas si c'est ce que je pense, mais j'ai l'impression qu'il y en a, ils retirent et qu'ils ont une mauvaise réponse. Ouais, ils retirent, c'est comme ça, t'es pas grillé. Comment s'appelle l'étude de la peau? Ah, tu vois, ce serait un truc d'enfant. Bah, la dermatologie, c'est facile. Mais est-ce qu'on tu crois mais sur le coup, t'étais pas sûr. Je crois qu'un enfant, il répond à ça, toi. Bah oui, bah ça dépend. Après, je sais pas de quel âge, j'avoue. Adolescent, tu réponds, tu vois, adolescent, tu réponds. Et c'est bizarre, il n'y a pas de mecs de moins de 19 ans du coup, donc on peut. Voilà, c'est facile. Leur faire du. Parce qu'en vrai, pour la culture. Ouais, mais ils doivent dire. De 15 ans, genre.
Mais il peut pas gagner d'argent, donc apparemment ça fait 18 ans. Ils disent enfants, ça va. Angie, c'est pour toi ça. Lequel de ces verbes du premier groupe peut atteindre, conclure, camper ou courir? C'est pour toi ça, Angie. Du premier groupe. Regarde pas l'aide, par contre, c'est. Ouais, là c'est de la grotte. C'est trop facile. Attends, moi je dirais. Moi je sais. Hein. Bah, si. Ouais, c'est... Allez, j'ai pas regardé. C'est facile du premier groupe quand même. Non, j'ai peur, c'est pour ça que je vais. J'ai pas regardé le live, il a caché. En plus, c'est vrai que j'ai caché parce que je voulais tester. Là, c'est quoi, c'est genre niveau. J'ai CM2 réfléchi 6e. Quand même pour pas me planter. C'est non genre plus. Niveau CM2 6ème, tu vois. Du coup, ça se trouve que tu savais pas. Mais tu rigoles, ouais. J'ai répondu quand même. Je suis dit oui tout de suite, est-ce que je te savais. Allô, t'es quoi et tout. Attends, j'ai un minimum d'écoute. Elles sont de plus en plus vite, vide, BR, c'est pas oui, normal. Mais... Combien de films ont été adaptés de la saga littéraire Eragon? Oh bah alors là, hein. Combien de films? Oh bah là, on est dans la merde. Elle fait passer. Franchement, vous allez savoir ça. Attends, il reste combien de temps? Mais tard, déjà, mais pourquoi t'es si rapide? Attends le temps. Parce que là, j'ai pas confiance. Ça me paraît un piège. Si tu fais pas le mien, tu chantes une chanson. Ouais, si tu fais pas le mien, tu chantes une chanson. C'est pas moi, c'est toi. Non, c'est à toi, elle a dit. C'est ton live. Ah non. Oh sur CB. Non. Mais non, ils disent A ou C, eux. Non, mais ils disaient B, l'autre après. Ils... La C. Du coup, la C, ouais, mais laisse pour chambrer qu'ils disent ça. Non, mais ils disent C tout. Ils veulent m'entendre chanter, c'est pour ça, ils disent ça. Non. Mais non, mais même Becky a dit C. Hein? On met C ou quoi? Non. Je sais pas. Ah ouais. Pff. Moi je change pas d'avis 36 fois, c'est la meilleure façon de regretter après. Salut Dark La Forme. Au pire, une fois sur le coup, mais pas 36. Ouais. Bah, c'est trop tard, c'est trop tard. À l'allure où vous n'allez faire qu'une bouchée de cette nouvelle question. On met les trucs. Mais j'y vais chercher, je crois. Ah, quand même. Quelle est la classe grammaticale du mot chaussure? Verbe non propre, adverbe non commun. Une bah, chaussure. Une chaussure non commun. Waouh. Oh, mais j'ai fait de l'école, hein. Bref. Celui-ci. Vous m'entendez ou pas sur le live? I don't know. Oui, pardon. Ok. Parce qu'Angie, elle se barre, elle me dit pas si elle a coupé le micro ou pas. Elle met le casque sur la tête, un casque rose en plus, alors vous verrez la tête. Et sinon, après, sans vrai, elle me dit. On dirait. Fifkan, en fait, c'est qu'on est en mode enfant parce que Taï. Bah, il dit c'est quoi ces questions? Bah, c'est qu'en fait, on est en mode enfant. Parce on que... n'arrive pas à aller au million en mode normal, alors on est parti en mode enfant. On essaie de se rassurer avant de retourner sur le vrai mode, tu vois, parce qu'on se dit c'est quoi ce bordel. Oh bah NJ, tu l'as fait celui-là ou pas? Moi j'ai pas fait les Final Fantasy, s'il y en a qui peuvent m'aider. Qui est le grand méchant de l'histoire du jeu vidéo Final Fantasy 7? Le petit saut il serait là, il nous répondrait direct en plus. Je suis sûr. En tout cas son frère nous répondrait. Non ça c'est dans Resident Evil alors je pense pas. Zeus, c'est possible sur un jeu. Qui c'est qui a fait Resident Evil les gens? S'il vous plaît. Le 7. B. Arnaud, t'es sûr ou pas? Ouais, Arnaud, je te fais confiance. Cela tente. Ok. Bon, bah, on tue Arnaud, de toute façon, on verra bien. Tant pis. Mais Elrom, il dit pareil, donc normalement, ça devrait pas être mal. Ah, bien joué. Bien joué les gens, là c'est grâce à vous parce que j'avoue que Final Fantasy j'aurais pas trouvé. Les petits sauts, sûr il aurait été là aussi, il aurait pu confirmer ce que vous avez dit. Par contre on tape 72 000 quand même Edgy, ça doit te faire bizarre parce que là, quand même en mode... si on dit pas qu'on est en mode enfant, franchement là tu regardes la pyramide, tu fais voir comment on a géré et tout, tu sais. On dit plus qu'on est en mode enfant maintenant. Quel rapport, bah... Attends, parce que là, ça en vrai, putain, moi pour moi c'est. Oh putain. Je vais dire une connerie.
Mais je crois bien que c'est Eminem, ouais, hein. C'est Eminem, hein. C'est ça. T'as raison, Elrom, c'est ça, putain, mais oui. Il a dit quoi ? Eminem. Moi aussi, je croyais que Marshall, c'est bien Eminem. Mais j'ai quand même un gros doute au moment d'appuyer parce que je me dis, on a 72 000, tu vois. Mais il me semble que c'est ça aussi, donc du coup, je vais appuyer parce que c'est le premier que j'aurais mis aussi. Eminem, rap Marshall Bros. Mathers. Il me semble. Mais il y a un Marshall dans son nom, il me semble, Eminem, ouais, c'est y a sûr. Marshall. Ah bien ouais, merci d'avoir confirmé Elrom, sinon j'aurais badé, j'aurais pris un joker. Après j'ai pas vu s'il y en a d'autres qui ont mis ça aussi. BK, merci BK aussi. Arnaud aussi. Ah bah ouais MJ, ça y est, elle est dans son truc, elle croit on est en mode adulte. Non je rigole. Donc, on en reparlera quand on arrivera au bout des... Mais je savais qu'il y avait Marshall dans son nom, mais je savais plus... C'est vrai en plus, je savais pas ce qu'il y avait. En pourcentage, combien de population mondiale compte-t-elle de gauchers ? Oh putain, je l'ai su ça. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même beaucoup. Et 15-22%, ça me paraîtrait pas mal. C'est genre une exception pour se dire de gaucher normalement. Je vais juste faire un truc parce que on n'est pas loin. C'est dur, non ? Il reste combien de jokers ? Il n'y en a pas beaucoup des gauchers en vrai. Par rapport à la population, il n'y en a pas beaucoup en vrai. Ah putain, j'aurais dit la B moi. Je dirais C ou D. Ah quoi que, à la A aussi, 8%. Y'a plus de joker. Si, mais ça fait chier, putain. Tant pis. Je suis désolé, mais je suis désolé. Qui c'est qu'a dit C ou D ? J'ai 3 enfants et un gaucher. Ça fait un tiers. Mais ouais, non, mais c'est rare les gauchers, mais y en a, mais c'est rare. Et en pourcentage, en vrai, par rapport à 7 milliards... Par rapport à 7 milliards... Oh merde, j'ai mis un collègue, je suis con, il doit avoir le même âge. Oh merde, ils ont 19 ans les deux. Ah, il a le portable peut-être. Ouais, mais lui, il en sait rien, quoi. Bon, on va dire B parce que normalement il devrait y en avoir de plus en plus quand même, souvent les différences. C'est... Et il y en a pas mal. Moi j'ai entendu une légende, je sais pas si c'est vrai. Et il paraît que les gauchers sont plus rapides en réactivité que. Parce que leur nerf est plus court, ouais. Parce qu'en fait ils sont côté du cerveau qui a de la réaction en fait. Et de la main vive, ils sont plus rapides qu'un droitier par exemple de la main droite. Ça je vais pas rappuyer une deuxième fois. Je sais que c'est. Ouais. Il y a un milliseconde où. On va aller au million. C'est en milliseconde, ça se compte, mais genre un mec qui réagit de son bon bras, s'il est droitier, il va aller quand même un poil moins vite qu'un mec qui réagit de son bon bras s'il est gaucher. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Parce qu'en fait, c'est soit être le côté gauche du cerveau qui gère les réflexes, et en fait, le nerf est plus court. Et ça se joue en millisecondes, hein, c'est vraiment... Mais c'est... Dernière question, quel est le 7e art ? Bah, c'est facile, le 7 art. Non, c'est pas pareil, le 7 art. T'es sûr, le 7 art. Le 7... Bah si, la c'est danse, ça. La sculpture, non, si, c'est la le cinéma. Cinéma. Si, c'est le cinéma. Attends, on appuie, y a pas moi, de j'aurais temps, dit cinéma. Y a pas de temps. Moi j'aurais entendu le cinéma. C'est pas cool. Enfin j'aurais dit cinéma. En mode normal. Hein. B le cinéma. Bah non B le cinéma. D le cinéma. Ouais c'est ouais. Ça. Hein. C'est pourquoi t'aurais dit B Arnaud juste. Parce que moi j'ai un doute sur c'est pas le 7e art, c'est le 7 art j'ai l'impression. Et c'est ça qui me dérange. D sur A 100%. Ah mais vous êtes sûr c'est pas un piège. Hein. Parce que Arnaud il dit B mais je crois bien que j'aurais un. On va voir, je vous fais confiance. Moi j'ai l'impression que ça aurait pu être le 7 art, tu vois, ou le 7 art. Tu vois. On va pas foirer là. Pas le 7e, tu vois, il n'y a pas le M. Le 7e, tu vois, c'est le 7 art, tu vois ce que je veux dire. Du coup j'ai un doute. Tu comprends mon raisonnement ou pas, oui, il n'y a pas. Ouais, c'est ah, ça. On a gagné, oh, c'est trop facile. Voilà les petits gars. Quoi 1 million, et ouais.
vachement l'air content, le mec. En fait, ça fait la deuxième ou troisième question, ils nous font le coup, ils piègent sur la formulation de la question, moitié. Parce que là, en fait, ça porte à confusion que t'as pas le petit E qui te dise le septième art, tu vois. Ouais. Ça te piège ça, tout. Ça rapporte 1000 en enfant. Ouais, ça quand rapporte même, 1000 quand même en enfant, ouais. On va pouvoir quand même débloquer le sport, je crois. Plus le coût du en enfant pour débloquer le trip. Non, mais on n'est pas des gratteurs. Mais là, bon, allez, on fait pareil en normal. En normal, vous avez intérêt de chaud, parce que là on a commencé à bien s'organiser. Non, on va choper les cuisines du monde en plus, alors vous avez intérêt de préparer Google. Ouais, mais le foot en préo. Ah, il y a le foot. Ah, bah il y a ouais, le foot, oui. Je suis désolé, alors vu que je suis bah, là, mais forcément. Le foot, on débloquera cuisine du monde après. Oui. En ah plus, là. En plus, je suis meilleur footballeur que ah, Angie à la cuisine, alors rigoler. Du coup. Non, je rigole. Je vais pas dire ça parce que. Ah ouais, je plaisante. Sinon, on a pu me préparer de mon petit plat. Est-ce qu'on garde le petit jeune en se le racontant, en disant de toute façon j'ai gagné le junior, je me fais l'adulte? Bah oui, okay. On se fait comme ça? On peut se la tenter. Histoire de faire, vous m'avez pris pour qui? Moi, de toute façon, je vous fume. Tu vois. Cuisine, ça va vous aider, t'inquiète. Bah, du coup, la prochaine fois. La place de la femme, c'est la cuisine. Ça fait longtemps, on l'a pas vu, les gars. Mais il a pas tout à fait tort, quand tu regardes la formulation de la phrase, moi ça, je trouve il a pas tout à fait tort, mais le dire comme ça après ça choque souvent. Non mais je plaisante, mais moi je le dis au second degré. Ça m'empêche pas d'être avec vous. Bah oui. On va dire, je crois, depuis que je connais Andy, bah. J'ai dû faire une fois la cuisine ou deux, c'est tout. Ouais, ça va, après ça. Du coup, bah, je confirme la règle, la femme elle va à la cuisine et puis. Mais vas-y, on a fait une fois un plat que j'avais jamais. Enfin, que j'avais pas fait depuis des années. Que j'avais en tête, mais que j'avais pas fait depuis des années, du coup, bah. C'est surtout que j'ai pas cuisiné et le machin, ça crame un petit peu. Ouais. C'était un peu sec, quoi. Tartiflette, super sec. Ouais, mais c'est con, putain, parce que la façon dont elle était faite, en vrai, il y a moyen de faire un truc énorme. Et j'ai réussi à en faire une merde. Et le truc, au final, bah, tu sens qu'il y a un manque d'assurance dans la façon de faire. L'avenir appartient à ceux qui dorment. Non, je rigole. Ah ouais, ça doit être ça. Bon, on va aller faire vite les questions reloues. Gagner l'auto, oui, c'est sûr aussi. Bah, c'est plutôt ça en vrai qu'il devrait dire comme dicton, parce que en vrai, on est plus proche de celui-là dans la vraie vie. L'avenir appartient à ceux qui gagnent l'auto, c'est comme ça, tac, tu rachètes tout et puis tu fais de tout le monde tes petits. Hein. Enfin, on se rigole. C'est bien. Et puis tu kiffes ta race avec tes potes, tu pars je sais pas où. Moi, je rachète une île direct si je gagne l'auto. Après, petit à petit, je crée ma civilisation sur l'île et je deviens le président de l'île. Pim. Je crée un pays direct. Votre nouvelle question est prête. Bonne chance. Cacao. C'est quoi ces trucs? Ils sont sérieux. Qui c'est qui a un doute sur celle-là? Non. Quel est le point commun entre la poitrine d'une et un train électrique? Enfin, pourquoi un train électrique? J'ai pas compris le délire. Quel est le point commun entre la poitrine d'une femme et un train électrique? Ah oui, pardon. Alors attends, je réfléchis. Je vais dire un truc, mais ça fait. Angie, quel est le point commun entre la poitrine d'une femme et un train électrique? Quel est le point commun entre la poitrine d'une femme et un train électrique? Bah, c'est Saturnin. Regardez, c'est ça la question. Ah ouais, pardon, enfin, quand je dis ça, Angie était concentrée sur le qui veut gagner des millions en disant qu'est-ce qui. Trop fort.
fait pour les enfants, mais c'est papa qui joue avec. Ah ouais, c'est énorme. Bah, ça dépend, les trains électriques, ouais, enfin, t'as plein de collectionneurs et tout. Ah, attends, j'ai fait quoi? Merde, j'ai... Oh, mais non, je regardais pas, j'ai appuyé à l'arrache. Oh non, j'ai pas vu la dernière... Oh, alors, commence, non, mais là, j'étais concentré sur la connerie. Mais non, mais c'est que j'ai pas attendu la dernière réponse. Et du coup, j'ai appuyé sur la première. Parce que, franchement, il y avait rien qui me... Non, mais ça me paraissait bizarre quand j'ai appuyé, en plus, déjà, mais vu que la dernière était pas sortie et qu'il y avait rien qui me venait, un médecin... si il te conseille à part t'entraîner, tu sais. Mais non, mais je recommence, là j'étais pas concentré, j'étais sur la blague à Saturnin. Bah Saturnin, c'est de ta faute, ouais. Il a raison, Fushkan. Non, mais c'était le premier palier, donc on va le faire vite, là. Ne vous inquiétez pas, c'est comme si on avait juste perdu 2 minutes. Je me reconcentre. Putain, ouais, ça fait chier ça. Casse les couilles, Noël. Bah, encore, j'étais pas en limite, ça me dérange pas trop, mais c'est 25, je sens pas. Hop! Donc, cette fois, on lui met sa race à Jean-Pierre Foucault. Même si c'est pas Jean-Pierre Foucault. À Camille Combal, même si c'est pas Camille Combal. Salut. Un enterrement? Non. Finalement, lors d'un mariage à l'église, c'est le père de la mariée qui l'amène en bateau à la baguette à l'hôtel ou au camp. Dans le cercueil. Il n'y a pas. Non, mais je suis ici. Bah, un mariage et un cercueil. Un mariage et un enterrement, tiens, bah, quel est le point commun entre la durée? Entre un mariage et un enterrement. Quel point commun entre mariage et enterrement? Non, quelle est la différence? Tu peux faire ça et tu dis aucun. Les deux sont longs et très monotones. C'est en vrai de moi. C'est en vrai de moi. Je suis à côté, mais on entend peut-être moins quelqu'un... bien. Quelqu'un qui a la main verte est particulièrement doué pour parler aux écolos, assaisonner la salade, étudier les martiens ou s'occuper des plantes. Aïe aïe aïe. C'est D. La réponse D. Je peux une blague? Bah vas-y. À condition que ça me déconcentre pas, ça tient, non? Ça les gars. Non mais vas-y. Je suis preneur les blagues, j'aime bien. Ça me fait penser, faut que j'emmène les cartes demain soir, hein, pour demain ouais. Soir. Les up ici, sûr. Attends, je vais... Ouais, maintenant, je vais m'asseoir. Je sais ce que je vais faire. Attends. Pénélope, ah ouais, mais... C'est con, ça aurait fait un truc sérieux, j'aurais pu répondre si ça avait été sur le palier et que... C'était une question plus sérieuse, surtout. Si c'est une toile, bah c'est une toile, il me semble. C'est ça, ouais. J'ai pas regardé trop les autres. Je marque ce que je suis génial. Jean-Pierre Foucault. Ah bah, est-ce que je vais dire ça? Michel Simès. Le petit croix ici, j'ai trouvé plus. C'est bien. Ah merde, ce sont vos derniers mots, j'ai pas lu l'écriture. Mais non, t'es sérieux, c'est un piège, c'est Michel Simès. Oh putain, mais non, j'ai pas lu le piège. Oh là là, ah, mais oui, mais non, MAX. J'ai pas lu le piège, mais tu vois les c'est questions. Tu vois mais les non, questions. Mais tu vois, tu dis de moi attends, que je réfléchis pas et tout, questions. Mais t'es pareil. T'as j'ai pas regardé, me se rendre faire autre chose. Mais non, mais t'as vu la question ou quoi? Moi je rigolais et tout, j'étais déjà dans la prochaine question et tout. Putain, je l'ai vu qu'après le MAX, je me suis dit, mais non, qu'est-ce que tu viens de faire? Allez, zéro. Putain. Eh, mais disais de moi tout à l'heure. Et en plus, je rigolais par Michel Simès comme proposition en plus au départ. Ah bah là, on n'est pas un enfant, hein. Mais putain, mais c'est pas possible de voir ça, mais il faut... Oh, j'ai les nerfs.
Si vous donnez un mec, c'est éclater la tête, c'est mort. C'est de... Putain. Ah non, mais c'est marrant, c'est pas... Ah là, le piège à con, putain, je tombe dedans, moi, comme... Allez, c'est le dessus. Bah, remarque... Même Becca a dit, j'avoue que là, je sais pas, moi, j'ai pas suivi. Toi, t'as pas suivi, t'as de la chance. Parce que là, la question, c'était... Mais ce que je sais, c'est que t'as pas réfléchi. Non, mais je te dis la question. Tu vas me répondre d'instinct, tu vois. Quel animateur peut vous poser comme question, c'est votre dernier mot? Ah oui, c'est parce que c'était écrit MAUX, toi t'as confondu eh oui. Avec M. Jean-Pierre Foucault. Moi c'est le premier truc qui vient à l'idée, j'ai dit Jean-Pierre Foucault, même avant qu'elle sorte le truc, ou pile pas quand elle est sortie. T'as répondu trop vite, tu vois, tu as réfléchi pas. Et c'est quand j'ai relu, de chambrer et tout, quand j'ai relu, je suis le piège d'enculé. Et j'avais déjà appuyé deux fois, donc je peux pas revenir au bout de deux fois. On recommence. Bah là vous pouvez taillez-moi les gens. T'inquiète mon pote, ça tient. Elle est où ta blague, ça tient en fait. Hashtag grosse boîte 4x4, vous pouvez mettre, au lieu de mettre mon blaze habituel. Je comprendrais que c'est pour moi. Hein? Si mettez à jour, je comprendrais que c'est pour moi. Si vous m'interpellez, mettre Kev, vous pouvez mettre plus 4x4, vous pouvez mettre. C'est le soir où je tolère qu'on m'insulte, du coup, allez-y si vous voulez. N'importe quoi. Ah, j'ai fait n'importe, putain, ça me vénère de recommencer 18 fois. Mais c'est mon pote. Ah, j'ai fait n'importe. Non, mais c'est énervant. Le vêtement associé au bûcheron canadien est la quand chemise même. À Dédé, à Véro, à Gigi ou à Caro. Oh là là. T'as dit t'as dit. Bah, je peux hésiter de. Vous avez la réponse avant qu'elle se mette. Elle avait peur de pas voir Caro. Moi oui. Ouais, sur le coup. Il y a un piège et puis merde, j'ai pas vu venir. Au début, elle chante pas. Enfant, vous faisiez mieux. Bah, en même temps, on va pas jouer en enfant tout le temps. Ouais, enfant, pourtant, il faut des crédits pour des. Faut des neurones là pour débloquer les questions catégories. On débloque plus vite en enfant, mais bon, c'est pas la. Enfin voilà quoi. Trop facile en enfant. Mais ouais, c'est fastoche. Ah, des questions titiche. Qu'on a quand même utilisé tous les jeux car hein, enfin en plus il n'y a pas de temps donc bon. C'est moins intéressant. Chez les autruches, quelle tâche le mâle et la femelle se répartissent-ils à tour de rôle? Mettre la table. Non mais ils sont sérieux. Sortir les poubelles, faire les courses ou couvrir les œufs? Couver les œufs, pardon. Merci Angie pour ce cours de français magnifique. Ah, tu fais que de lire depuis tout à l'heure aussi, au bout d'un moment hein. Selon l'expression, quand on réprimande quelqu'un, on dit qu'on lui secoue les maracas, qu'on lui gratte la guitare, qu'on lui sonne les cloches ou qu'on lui appuie sur le klaxon. Ok, sonne les cloches. Et on y va coincer. Allez. Je le sens bien ce coup-là, moi. Je crois. Elle a senti que j'étais concentré, NJ, du coup. Elle dit, non, c'est moi qui ai concentré. Ah, pareil. Du coup, c'était quoi Saturne? T'avais une blague, tu m'as dit, attends. Non, elle l'a pas dit sa blague. Je crois. Je l'ai pas. T'es encore. Sûr hein? Bah oui. Et là, j'ai juste de gâter les rineurs, peut-il remporter un combat? Wazari, oui, c'est ça. J'ai fait une blague. Non, c'est sûr. Il l'a pas dit. Wazari. Je sais, elle m'a fait la blague. Bah ouais. Au pire, prends un truc à mon avis. Sur l'Ancien Testament, qui était le frère jumeau de Jacob? Bon, alors là. Très enculé. C'est Jonas, non? Ou Ezo? Jonas, je dis pas, sinon on pourra pas se concentrer. Et selon Jonas, l'Ancien Testament, qui était le frère jumeau de Jacob? C'est Adam, Esso, ou Mathusalem, ou Jonas? C'est Jonas. C'est Jacob, Jonas. Attends, avant de répondre. Non, ils disent B. Ah, oh là, ils savent pas. J'en fais rien pour rien. Moi j'aurais dit Adam. Adam, pardon. Ah j'en doute. Oh c'était Zo, putain. Oh j'hésite entre les deux, je suis trop con, t'es sérieux. Mais non mais ils l'ont dit, ce qui a dit B. Fishcan. GG Fishcan. B est le temps dessus, il a dit juste autre chose et moi j'ai déjà. Becca a dit A. Elle a dit comme moi. Je me suis dit c'est deux frères jumeaux, les deux J. Adam.
Et Adam, ça me paraissait abusé. Adam, c'était genre Adam et Eve, tu vois, du coup, c'est impossible. C'était pas mal. Mais ouais, j'avais un doute avec les deux. Là. Putain. Fais chier, je choisis tout le temps de mauvais quand j'ai un doute, c'est abusé. Change. Mais le vieux, la vieille ou le vieux. Le vieux est bien. C'est des claquettes, alors moi j'aime bien. Elle va peut-être balancer des vannes, le vieux. Si je perds Angie, elle va faire un gage. Ça marche. Mais ah non, c'est le premier homme, donc. Alors attends. Mais oui, déjà, il y a. Mais non, ah, mais c'est pour ça que ça aurait été abusé qu'il ait repris. Quels sont les gâteaux préférés de Brigitte Macron? Ça a l'air bien, ça. Ça, a l'air bien, ça. Les macarons. J'allais dire, j'hésitais, je l'avais dans la tête, mais t'as répondu avant moi et puis je me suis dit ce serait trop abusé. Ouais, les pauvres, ouais. C'est pas ouf comme blague. Ouais, c'était facile, quoi. Kev, ah, surtout NJ, moi je m'en fous. De quoi? C'est pas moi. Parce que c'est ton live. Après, quand je montrerai ma chaîne, je ferai mes gages, mais là, du coup, bah. Je saurais pas te faire de concurrence après, du coup. Ouf. Non, on fera pas les mêmes jeux. Je ferai une voiture. Si vous confiez votre équipement à un caddie, quel sport pratiquez-vous? Angie. Le golf, le tennis, le hockey ou le rugby? Un breton. Un caddie. Bah c'est le golf. Ah oui. J'ai déjà dit, ouais. Je l'ai déjà répondu. Une chanson, ouais. Incarné par Jean Dujardin, Bryce Dennis, qui adore le jaune, est un fervent adepte de Purple Rain, mais non. Des Yellow Party, mais non. Des Black Panther, du White Spirit. Les Yellow Party, ouais, j'ai mal lu. Je croyais qu'ils allaient parler de l'acteur, là. Patrick Swayze, c'est quoi le film, là? Point Break. Ah oui. Bryce Dennis, c'est pour ça que je croyais qu'ils allaient parler de ça. Et Black Panther, ça serait marrant, ouais. Mais une chanson, ouais, Angie, vous chantez du Céline Dion, en fait, si jamais je rate. Du Céline Dion, t'as rien. Oui, comme ton ancienne voisine, elle est habituée, du coup, elle connaît toutes les musiques, du coup. Trop, ouais, maintenant, mon ancienne voisine, écoutez tout le temps du Céline Dion, c'est tombé. Vichy. T'es réveillé par Céline Dion. Je suis venu. Allez. Moi, je préfère être réveillé par Céline Dion que réveillé par la musique... Ah, moi, maintenant l'autre qu'elle a me réveille de la musique indienne, la telle. Moi tiens, je suis réveillé. Sinon je me réveille pas comme tous les autres matins. Comme ce matin. Les musiques, il n'y a que des instruments de musique. Hein. Ça change. Moi je leur fous du gros rap. Je me réveille. Ouais, Andy, écoute la fouille. Quand on conjugue le verbe avoir à l'impératif, on ne dit jamais Ayana Nakamura. J'arrive même pas à le dire ce mot, elle. Ayana. Comment c'est Nakamura? Nakamura. Putain, on dirait Nikos, Angie, quand tu le prononces. Ayana Nakamura. J'arrive pas à le dire ce nom. Nikos, c'est le port de terre. Pareil, il arrive pas à le dire. Nakamura. Bref. En avril 2004, le golfeur, oh là là, Phil Mickelson a gagné sa première cuillère de bois, son premier master, son premier sponsor, son premier prix. Il fait rire, papy. Papy, il est concentré, hein. Ah, quoi, il s'est passé quoi, là? De quoi? Quoi? Je sais pas. À la question de tout à l'heure. Ah, l'ami, il avait dit, je sais pas c'était quoi. Dans quel jeu de société classique peut-on utiliser des jokers? Le Trivial Poursuit, le jeu des 7 familles, le Scrabble, le Milborn, le Trivial Poursuit, on l'a pas pour rien. Hein? C'est Trivial Poursuit. Hein? Les jokers. Attends, mais là, je trouve là, je... Moi, Trivial poursuite, attends. Attends, sérieux, vous mettez quoi là, les gens sur le live, s'il vous plaît? Mais Milborn, t'as des jokers? Ben non. Ah bah si, il y a des jokers, mais si, il y a des jokers au Scrabble. Au Scrabble? Pas au Trivial poursuite, t'as pas de jokers? Bah non, c'est pour ça que je comprenais pas ta.
Moi je le voyais presque 1000 bornes, mais le truc, je sais pas pourquoi. Non, je confonds, je sais j'avais pas. Carrément oublié, t'as les lettres vides, t'as les trucs vides sur le Scrabble. C'est des cases de cartes, le truc de Joker, tu sais, les trucs vides. Tu mets ce que tu veux dedans. Oui, t'as raison, bien joué, BK et Kiskan. Enfin, j'étais à l'ouest, moi. Non, c'est BK. Pardon, c'est BK, ouais. Bien joué, BK. Mon Everest, quand même. L'Asie, wow. L'Europe, fout, l'Océanie, ah. L'Afrique. Attends que je dise pas une connerie. Sur quel continent se trouve le mont Everest? L'Asie, l'Europe, l'Océanie ou l'Afrique? Moi je sais. Non, je sais pas. L'Océanie, non? Non? Je sais pas. L'Asie, toi. J'ai un gros doute, c'était bien l'Europe. C'est l'Europe en vrai. Non, rien du tout. C'est l'Europe ou c'est l'Asie? L'Asie. C'est l'Europe ou c'est l'Asie? Parce que moi j'aurais dit un peu l'Europe aussi. Oh putain. Parce que j'ai pas regardé le live pour faire, mais après j'ai vu que Fifkan il m'avait sauvé aussi. C'est tournant aussi, mais vu que cette tournée m'a déjà fait foirer deux fois, j'hésitais, tu vois. Mais non, mais j'avais un doute parce que je sais pas pourquoi. Je confondais avec le Mont Blanc en même temps, hein. J'étais pas bien. Je sais pas. Quelle vache se caractérise par sa robe de couleur à cajou? C'est marrant, c'est le premier nom qui me serait venu là. La normande, la charolaise, la blonde avec d'Aquitaine. La normande ou la charolaise? Ou la solaire. C'est un des deux. La charolaise ou la normande? Franchement. À cajou. C'est rouge moitié à cajou. Bah ouais. Normande ou charolaise? Moi je dirais même la charolaise en vrai. Tu prends un joker là. Le problème c'est que le salaire, c'est pas du tout ce que c'est. Je suis mon raisonnement jusqu'au bout, mais j'ai un doute maintenant, B. Si je sais pas laquelle bah c'est non, le salaire. C'était pas B. La salaire c'est par là. C'est existe. Oh mais c'est trop dur. Fallait la prendre encore un joker. La normande elle m'était venue direct, c'est pour ça que j'ai tenté. Fallait prendre là c'est de ma faute, c'est que j'ai une mauvaise intuition, c'est pas pareil. Putain, bon bah MJ c'est une gnant. Non mais c'est toi qui dois chanter, c'est ta faute si on a perdu là. C'est toi tu devais chanter, c'est ton live on avait dit alors. Puis j'ai jamais dit je chantais, personne ne dit fallait chanter. Et... Ah je sais plus qui c'est qui a dit qu'il y avait un gage pour NJ si jamais je perdais. Ouais ça ouais. Si tu peux redemander sur le live, je sais plus qui a dit ça. Faut que NJ chante, sinon on se barre tous, ils ont dit alors, comme ça. Mais il me semble qu'ils ont dit un truc comme ça. Alors moi je ferais toi. T'as vu, tiens, BK elle l'a dit. Alors, à mon avis. Je chante rien du tout, ouais. T'as vu, Saturnin, il l'a dit aussi. Et c'est lui qui a lancé l'idée d'ailleurs, je crois, c'est ça. C'est une dion. Mais bien sûr. J'ai pas le droit, j'ai mangé des droits de tarte. Ah bah oui, parce qu'elle imite tellement bien. Bah ouais, je mets un son sur YouTube, mais je fais ça. Et puis hop, elle se débrouille. J'ai mangé des droits de tarte, bien. Cause de vous, c'est triste. Mais ouais, non, mais là, mais putain, j'ai. Non, mais franchement, là, j'ai pas d'excuse parce que. Enfin, si, j'ai une excuse, c'est que je savais pas. Mais en vrai, non, mais j'avais une intuition sur. Ça va pas passer les 30 minutes, mais suite, c'est trop dur. On va mettre la petite vieille, cette mort. Mais ça me disait vraiment quelque chose à Normande, mais je la voyais vraiment rouge et blanche, et du coup, pour moi, je sais pas. Franchement, mais la vache, qu'est-ce que t'en sais, Normande? Je veux que la Normande, ce soit les noirs basiques et blanches, c'est possible. Mais pour moi, c'était la rouge dès le départ. Quand j'ai vu que 50-50 il me l'a laissé, bah je suis dit attends parce que là. Le problème c'est que la salaire, ouais, je savais pas du tout ce que laquelle c'était. Et là il aurait coûté un ami, j'ai un pote au foot, je crois que c'est son taf, il aurait pu. Puis Kevin il fait du beatbox derrière. Non mais BK trop cru. En mode check it. Toi t'as qu'à rapper toi tu sais. Oui, j'ai raté, j'ai pas de voix. Ouais. Plus, c'est ouais. Bah oui, ça joue. Parce que suivre les paroles c'est facile, mais après avoir la voix qui va avec. Okay. Mort, tu connais Rof Parker, vas-y.
t'écoute. Gros, c'est, de... c'est quoi? C'est facile, tu vois. Je crois que t'allais dire c'est de la merde. Pardon. J'allais dire c'est de la branlette. J'allais dire c'est de la branlette parce que c'est facile. En vrai, c'est pas facile, mais c'est facile. Moi, ça rentre tout seul, tu vois. Tu vois. T'as eu? Tu vois. T'as capté ou. Tu vois. Dans le ciel, un groupe d'oiseaux migrateurs se déplace généralement en formant un R, un S, un V ou un P. Vous aurez dit un V. Bah, un V. Si, c'est ça. C'est un V, c'est sûr. Pour le V de victoire, je pense qu'ils y pensent. Il n'y a pas d'eau entre les deux difficultés. Bah, non, il n'y a pas. Ah, c'est pas faire ça, une petite. Je sais pas faire ça de quoi. Mais si. Ça, on aura... Putain, c'est con qu'on n'ait pas la vidéo là du coup, parce que là, on vous aurait montré juste avec des mains parce que déjà comment je mets la misère en vie. Mais j'ai juste fait un V avec entre mes quatre doigts en fait, naturellement. Et Andy, je lui dis, de toute façon, toi tu sais pas faire ça. Et en fait, si on regarde, non, genre, ça, c'est... même en mettant le petit doigt, le petit doigt il veut pas faire. Ça, c'est rare les gens qui arrivent à faire ça avec les mains. Bah, regarde, presque. Ouais, mais parce que tu vois, en plus, tu l'as mis avec tes mains. Avec tes deux. Non, pas là. Compéter, tu sais, vraiment. Hein. Compéter le titre de ce célèbre roman d'Ernest Hemingway. Pour qui sonne le maigre, le glou, le glas ou le gland? Ok. On y a pensé la D, mais. Non, mais ça, tu vois, le V de victoire, easy, tu vois. Je me signe. Ouais, le truc comme ça là avec la main là. Et ça, bah ça, elle arrive pas à le faire, Angie. Bah, je juste le petit doigt il veut pas se coller à l'autre. Pas faire, tu vois, j'étais en train de réfléchir à un truc comme ça, tu sais, la chambre vite fait. Tu regardes, ah ouais, je sais. En fait, faut que le pouce. Non, c'est parce que le pouce faut le mettre comme ça pour le faire. Pour attirer. Sinon, tes doigts ils font pas. Attends. Ah non, moi je le mets comme ça pour attirer les autres. Ouais. Dans Rêve de Jean de la Fontaine, il n'y a aucune fable intitulée Le lièvre, la dentelle, l'agneau, corbe de renard, le macro et la girafe. Bah oui. La petite vieille, elle est sereine. Elle se dit, par contre, t'arrives au million, c'est possible. Et si c'est bien fait le jeu, eh ben, elle va faire une crise cardiaque avant le million. Mais t'abuses pas, toi. Bah là, je dois voir la pauvre. Ça doit stresser d'arriver au million d'euros quand t'as un certain âge et le problème cardiaque, ça arrive plus vite. Je sais pas si t'es consciente, une vieille équeuse. Quoi? Bah, normalement, dans la vie réelle, eh ben, le problème cardiaque, ça arrive plus vite quand t'es vieux. Du coup, bah. Que fait la belette quand elle crie? Elle poker, elle rami, elle tarot, ouais. Belette, non mais. J'entends le loup et le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Ah, j'ai chanté, ça y est, c'est bon, c'est fini. Et bim. Et j'ai tué le game là, à toi, une. C'est une nuance, arrête. Ok. Ah, elle me répond la vieille. Dans les aventures d'Alice au pays des merveilles, quel oiseau Alice utilise-t-elle pour jouer au croquet? Un pélican, une autruche, un flamant rose ou un cygne? Je sais rien, j'aurais dit un pélican. Franchement. Qui c'est qui peut nous aider là? Parce que là, moi j'aurais dit un pélican, mais j'en sais rien du tout. En plus, j'ai regardé mon petit petite les ailes sur les démarrer. Bah oui, mais j'en sais rien. C'est bien plus que ça regarder. Attends. Mais... T'es sûr de toi, Saturnin? Mais Oudé, déjà, je suis pas sûr de toi, du coup, Saturnin, je suis désolé. C'est putain. Bon, bah, personne n'est plus sûr. C'est Aaron. Bah, trop tard, j'avais pu. Un flamant rose, j'ai un doute. Moi, j'aurais. Ah ouais, elle a raison. Putain, je voulais dire ça, mais je sais pas après. Putain, ils ont peut-être pas raison de public. Hein. Elle dit qu'elle aura jamais mis ça, puis deux secondes après, quand elle tombe le résultat, elle aurait jamais mis ça, mais. Allô. GG. Bien joué, le Rome. Alice la droguée. C'est du automne. De quoi est faite la couche orangée? De terre battue? Des cours de Roland Garros. Bah, de terre battue. C'est quoi ces conneries? Ouais, de briques.
Bah moi j'en sais rien. De microbilles de bois, de briques pilées ou de gravier concassé ou de sciure de cuivre. Quelle pièce Molière a-t-elle interprétée quelques heures avant sa disparition? Oh putain. Le médecin malgré lui, le Tartuffe, le misanthrope. Attends, avant de mettre un joker, t'as dit ça? Ou ouais. Le malade imaginaire? Non, ça c'est la réponse d'avant qu'ils ont mis B. Ouais. D. Le malade imaginaire. Ça sera abusé. T'as plus le temps, 3 secondes. Ça sera abusé, j'appelle, j'ai un doute. Malade imaginaire, quelques heures avant de mourir. D à 100%, elle a dit. Ouais, t'es sérieux, c'est ça? Tu peux plus ressembler en arrière. Ami d'enfance à la vieille. Bah quoi? Oh merde, qu'est-ce qui s'est passé? Mais t'as fait quoi encore? J'ai pas appuyé, bah mais j'ai pas vu que c'était fait. T'as retourné en arrière en fait? Non, j'ai pas appuyé parce que j'ai pas vu que c'était fait le truc. Pourquoi tu me donnes la manette? Oh mais c'est de ma faute, là c'est moi ma faute. Je crois, j'attendais le coup de fil à l'ami et du coup il a sauté et du coup. Bah... Mais t'as fait nimpe. J'ai appuyé au mauvais moment. Et c'est, il a fait une mauvaise manie, putain, mais il fait que des conneries, hein, c'est abusé. Non, mais tout à l'heure c'était pas moi, t'es là, mais là c'est moi. Et la première fois c'était moi aussi. Et là, la deuxième fois c'était pas moi, et sur trois, il y a une fois aussi. Putain, fais chier. Bon bah, je commence sans toi. Bah oui, parce que de toute façon, je vais mettre en enfant. Comment t'as dit quoi là? Non mais il a rien fait, il a rien. Non mais oui, il a fait n'importe quoi. Moi j'y mets ma meuf. Et là. Ciao Arnaud, passe de bonnes fêtes aussi, à la prochaine, merci ton passage. Non mais il a tout niqué là. T'as tout niqué. Sérieux. Obligé de recommencer, on était à combien en plus? Ciao Arnaud, bye bye. Bah ouais, t'abuses. Ah non, mais là, je me... T'es rendu au panier. La tour de Pise. Je sais même pas aller où, moi, en vrai. En Italie. J'hésitais entre en Italie ou en Grèce, moi. Bah, en Italie. C'est toujours... Ça va sûrement plus loin. Attends, si j'ai su ça. Elle est là. C'est la connerie, mais elle serait pas l'air. Non, mais là on était rendu au palier de combien? Ouais, ça va encore. Bah, c'est un palier. Moi ouais, j'avais pas confirmé. Je suis pas du tout, moi, c'est surtout quand même d'habitude. Je vais faire la même connerie que toi. Je sais plus c'est quelle ville. L'Italie, mais c'est pas l'air, moi, tu comme ça. J'ai un doute. Non, c'est ailleurs. Non, parce que...
Laquelle de ces périodes a débuté après l'âge de pierre? L'âge de l'or, l'époque de l'argent, l'âge de bronze ou le temps du cuivre? Juste après. Ah, oh, le cuivre. C'est le cuivre ou pas? J'ai un doute. L'âge de bronze, le temps du cuivre. Ah non, c'est le temps du cuivre. Ah non, c'est pas ça. J'ai un doute là. Ouais, ça m'a perdu, mais en fait, je crois que les trois autres n'existent pas. C'est pour ça. Une pouliche et la petite femelle. Du renard, de l'aigle, de la dinde ou du cheval? Une pouliche, bah c'est du cheval. Non? Une jument? Bah oui. Une pouliche, une jument? Bah si. Ouais, c'est un truc en rapport avec poulain. Bah oui. Mmh. Je connais rien, mais j'avais un doute. Salut Joker. Cheval, bah ouais. J'étais là, non, mais là, c'est pas des trucs qui m'intéressent spécialement, les animaux, juste comme ça. Ah, ça va, mais... Tu peux être super. Putain, on a mis, on a débloqué le foot, ils nous ont pas foutu une question de foot encore. Peut-être que ce sera dans les derniers paliers avec un peu de chance. Le président français finit souvent ses allocutions en disant vive la République et vive la France. Avant de les finir, il y a du taf. Pour toi, public, c'est mon dernier mot. On n'attend pas Patrick. Mais franchement, quand on voit ces discours, on pourrait dire vive pour la toi, République et on n'attend pas Patrick. On pourrait dire pour toi, public, quand on voit ces discours, mais. Pour toi, public. Là, ça, on l'a assez entendu. Quoi que je me batte. Salut, Joker. Pas vu petit là. C'est con, petit saut, il vient pas. Il est intelligent. Longtemps, je l'ai pas vu, petit saut. Il est intelligent, petit saut. Sur un jeu comme ça, il serait chaud. J'ai jamais vu passer sur ce jeu. Son grand-père, c'est encore pire. Bah, c'est deux grands-pères. Hein. C'est... Ils sont vachement opposés, tu sais. Ils sont vachement cultivés. Dans la Bible, qui a été ressuscité par Jésus-Christ? Austerlitz. Montparnasse, Avignon ou Saint-Lazare? J'ai un doute. Angie, tu sais ça? Non. Sérieuse? Bah. Starlitz. Ouais, j'ai... Non, ça. C'est le seul qui existait, hein. Les autres, c'est les noms de. Saint-Lazare, il existait, Angie. Ah, ils ont dû exister, mais. Je reste coaché que ça. On ne voit plus en soi. Attends, je commence à douter. Hein. Saint-Lazare, si, il est dans le jeu, 1700. The Order. The Order 1789, je sais pas quoi. C'est le tout premier jeu que j'ai eu sur PS4, je crois. Parmi ces propositions, laquelle est une figure à 9 côtés? Nanagone, Nénagone, comme ça, Ninagone ou Nonagone? Nonagone? C'est un des deux. Hein. Mais je dirais ça aussi, ouais. Attends, j'ai un doute maintenant que tu me dis un des deux, toi. Mmh. On a quoi, là, parce que... Nénagone ou Nonagone? Oh, j'hésite entre les deux, j'avoue. Ils vont nous mettre les deux. Non, mais Nonagone, je pense. Ah, ouais, j'ai un doute, non. Oh, les connards. B. Mmh. Il dit B, ça, tu vois. Mais moi j'ai un gros doute du coup. Oh, on a perdu, je le sens pas. Je te jure, c'est une nénine. Quoique 9 nous. Né. Ah. Un homme? Heureusement, t'as pas écouté ça, Germain. Comment appelle-t-on l'image ou le motif réalisé avec de petits morceaux de pierre ou de verre de couleur? Bah, c'est mosaïque. Bah ouais, facile ça. Je choisis la
Quel suspense. C'était chou de chat. On a failli y passer, les gars. Oh, mais t'as remis la meuf quand même. Comment appelle-t-on les régions arctiques d'Europe et d'Asie où une couche de sol ne dégèle jamais? Oh, j'ai déjà eu ça comme question. Les steppes, la pampa, les Everglades, la toundra. Ok. Les steppes, je crois. Ah. Je dirais les steppes. Je dirais les steppes. Everglades ou les steppes? Everglades ou les steppes? Je sais pas, il a dit A, mais je sais pas si c'était pour celle-là. A ou des ou là. Comment appelle-t-on les régions arctiques d'Europe et d'Asie? Les steppes ou la toundra? A. Vous dites oui, A. Oui, parce que la toundra, c'est pas ça. La toundra, ça a... Ah, mais ils disent 48% la toundra. Ça a rien à voir, la toundra. C'est pas eux, elle m'a arnaqué, le public. Moi je pensais les steppes avant et là ils hésitent entre les deux, donc je pense que les steppes doivent pas être trop mal. T'es sérieux? La toundra c'est de la verdure. C'est hyper chiant, on va jamais arriver. Ah, j'étais sûr que la toundra c'est de la verdure. Putain. La toundra ça veut dire en pleine sur. Putain, faut aller prendre un joker. Ah, j'ai pris un joker, j'ai pris le public et j'ai pas écouté. Ah ouais, t'as pas écouté, mais ça va. Quelques et les deux que j'hésitais. Tu vois aussi des Saturnin. C'est le Rome et Saturnin, ils ont fait perdre, voilà. Mais non, moi j'avais pas regardé, mais je pensais vraiment que c'était là. Ah non, alors là. Non. C'est perdu. Moi ça me vénère de perdre. Ça. Attends, mais on est dans le monde vite, hein, 124. On presque pour acheter les cuisines du monde. Presque. C'est vraiment mon enfant. Non, désolé, c'est pas grave. Même lui, il pensait ça, donc du coup, elle a changé aussi. Mode, ah, il doit être con comme il n'y a pas lui. Mais je vais attendre. T'as vu? Faut que j'arrête de faire genre à tout de croire. Putain, je croyais trop que je l'avais celui-là. Toundra, je croyais vraiment que c'est de la verdure. Je suis bien paniqué là. Je croyais vraiment c'était genre la jungle ou tout le style, mais pas un mauvais en glace, tu vois. Mm-hmm. Je me suis fait Ken, t'as eu. Je me suis fait Hurricane, t'as eu. T'as eu. C'est pas qui c'est, on a dit Hurricane, c'est pour ça. Pfff. C'est vrai. C'est un joueur de foot, t'as quand même dû plus l'équipe de l'Angleterre. On oublie. C'est ton rappeur préféré, on pose souvent le terme. Je vais la Hurricane. Ça y est. La Hurricane. Je vais dire je vais la Ken. Ça y est. La Hurricane. Bon, t'inquiète Jean-Pierre, on va s'en. Ou Camille, on va gérer. Quel nom donne-t-on pour Pérus qui s'emboîte les unes dans les autres? Baila et l'écart. Batroca. Perestroïka. Oh là là, Babouchka. Je dirais ça moi aussi, mais c'est. Je sais pas, on dirait que. J'ai un doute moi aussi, c'est pas du. Ouais, c'est pas. Là aussi, il me dit quelque chose moi, mais. Baila et l'écart. Baila et l'écart. Non, je pense que c'est Babouchka. Babouchkas, ouais, c'est, je crois que c'est ça. C'est mon père là, franchement. Dématrios. Dès la première question. Eh, c'est pas toi, Saturnin, qui a le jeu? De quoi? Saturnin, tu l'as pas, toi, le jeu? Quel jeu? Celui-là. Ah oui, pour qu'il nous rejoigne. Ouais, mais. Tu veux nous rejoindre, Fat? On pourra plus utiliser le Joker. Il n'y aura plus de joker, mais ça ajoutera un peu de. Parce que là, je vais pas... on va pas réussir le million de toute façon. Donc... On va pas réussir le million, toi. Pour essayer, mais là, dès la première question, ce qu'il vient de nous mettre, le gars.
Ah, je sais pas si tu veux rejoindre Sat. Je lance une dernière quand même comme ça, mais. Dis-nous. C'était Josat. Je dis entre toi, Bim Bim. De toute façon, on est les deux seuls qui avons le jeu. Donc. Continue. Ah, tu m'étonnes, c'est marrant. Bah, Mimi, mais... c'est chiant. C'est chiant. Il a dû désinstaller. Bon, je pense pas, ça prend pas beaucoup de place. Je regarde, je ne parle pas beaucoup, désolé, j'ai FIFA en même temps. Bah, t'inquiète. C'est pas grave. C'est que tu peux répondre aux questions sans taper, t'inquiète, on comprend. Parce que moi aussi, quand je joue à FIFA, j'ai pas trop de taper autre chose. Mais par contre, ça peut vous arriver, tu jettes l'écran en tac, tu vois la question, boum, tu réfléchis dans ta tête parce que. Palier 10, 4000. C'est chaud. En hiver, pour faire fondre la neige ou le verglas sur la chaussée, on la sale, on la poivre, on la pimente, on l'assaisonne. Ben ouais. Ça change par rapport à la question de tout à l'heure. Ouais. C'est parti pour cette nouvelle question éliminatoire. Non, vraiment, c'est sûr, c'est la réponse D. Il fallait faire un choix. Et vous l'avez fait. C'est votre dernier mot ? Ah, oui, c'est mon dernier mot. Le choix est fait. Il est temps de découvrir la bonne réponse. Bonne réponse, bravo. Et une bonne réponse pour le plus cool des candidats ? Hop ! Il est temps de passer à une nouvelle question. Que cela, que je vous pose la question fatidique. Et c'est malheureusement la mauvaise réponse. T'as remis le micro ? Je vous passe Kevin parce que moi j'ai faim à manger. Il y a un problème. Bon, je vous explique. Angie me parlait de trucs sérieux, alors j'ai regardé le jeu qu'à moitié. En fait, j'ai confondu avec autre chose, j'ai à peine lu la question et j'ai appuyé. En pensant à ces premières questions, ça vite. En fait, c'est après avoir appuyé deux fois, donc validé mon choix, que j'ai regardé et je me suis dit, what the fuck. Du coup, bah... on va se la refaire. On va pas faire que ça. Pas parce que demain. Ouais, de toute façon, demain, si c'est comme aujourd'hui, tu sais. Ça va, le patron est un peu plus gentil maintenant, enfin, il est un peu plus cool. Bah, tu sais, il sait qu'on on a fait quand même pas mal d'efforts dernièrement, enfin, surtout l'été. Du coup, il est un peu plus cool. C'est comme du pied, mais en bouteille souvent. Ah non. Ah, celui-là t'as rempli. Bon, cette fois on fait péter les scores. Et ce qu'on va faire, je vais essayer de vous laisser le temps de répondre quand j'aurai vraiment un doute ou quand. Parce que avant j'allais trop vite des fois. Mais... Ah, il y a les questions à péricule, mais Andy va nous les faire pendant qu'on joue et on va se planter. Donc. On va aller prendre sa douche et puis. Ah, bah je vous laisse avec. Pas gagné, mais on va y arriver. Le film culte Point Break. Point Break a failli faire
Ouais, ouais. Dans un train, on n'a pas le droit de soupirer, vapoter, manger des œufs durs, dormir à la bouche ouverte. Vapoter. On pourra te vapoter dans un train, je sais même pas. Ça c'est marrant, c'est censé pas être nocif. Mais quand même, faut pas vapoter quoi. On est vraiment dans un monde abusé. Bah, je savais même pas, vapoter c'est interdit dans un train. T'sais. Si de la vapeur d'eau, ça va te faire quelque chose. Neuf mitrou. Bah tiens, il y a mon prénom. C'est beau. Un seul de ces noms ne désigne pas l'un des rois mages. Lequel? Bah je crois que c'est Kev, hein. Mais j'ai un doute. Tu confirmes Saturnin ou comment ça se passe? Saturnin m'appelle Kev et comme par hasard t'as Kev qui arrive. C'est beau. Attends parce que là il y a le piège dans le bras ça. Quand même. Jambe ou bras? J'ai un doute là. Non bras. Bah non c'est pour se dire ça du cas. Mais du coup là c'est bras quand même, je déconne pas. Triceps, bah oui. Oh, on est d'accord. Hein. Je commence à me mélanger et avec la jambe et le bras, je commence à me dire attends, parce que le triceps. C'est le bras, hein. Triceps, NJ, c'est où? C'est le bras ou la jambe? Non, pas changé. C'est le bras, hein. Tiens. T'es à 500 euros, le mec, il dit le meilleur des candidats est en marche. Dans lequel de ces sports NJ peut-on exécuter un clean and jerk ou un snatch? Un snatch. Cimer à Saturne. C'est quoi la... Ah oui, la pêche 30 secondes. C'était quoi? C'est pas dans la pêche, c'est pas dans le foot. Ça c'est sûr. Donc après j'en sais rien. Il est donc du coup sans le même. Santé. Moi je pense la lutte. Ah, ah ouais, c'est possible aussi. J'ai... Ouais, j'aurais quand même dit la lutte au départ, mais je pense que je vais suivre parce que ouais, y a beaucoup et puis. Ça paraît logique en plus parce que Clark Anger. En gros, quand tu es top, tu dois faire le premier et quand tu. Un snatch, ça va être une... soit tu te rates, soit c'est qu'il y a un truc un peu différent. T'as que 2-3 possibilités en fait dans ces sports là, pas les autres. Jean. Non bah c'est bon tranquille. Bah par contre j'avoue que ce serait si, bah si. C'est marrant, c'est un demain. Oui demain. Parce que j'ai la fin de faire des tuyaux pour moi. L'expression il n'est pas exclu que... C'est facile quand même.
L'expression il n'est pas que signifie exactement la même chose que il n'est pas terroriste. Ah, genre, je... tous les rap que, pas possible que. Sur le live. Bah c'est pas de musique ce genre, c'est ni théâtre. T'es sûr? Ah musique. Non je sais pas. Non, ça serait facile de regarder sur Google. C'est des moins je trouve pour aller au milieu. Ah, c'est trop facile. Moi je joue pas comme ça, je suis pas un tricheur moi. Je ne sais pas, perso, putain. Appelle le daron. Appelle le père, c'est sûr. Un daron surcultivé. Même si quand on voit la tête de notre perso, on peut se poser la question. Il est fan de mode et puis il est blond, d'être moitié. Un peu bizarre. Voilà la réponse. Ah. Ça raconte pas trop, donc je sais. Ok. Oh putain. C'est pas longtemps ça. Quelle jeune femme a été élue Miss France 2020? Ah non, c'est 2021 lorsque elle a été élue. Miss Tahiti ou Miss Guadeloupe? Je sais même pas. Ah, je vais passer pour un con, mais j'en sais rien du tout. C'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière du coup, c'est celle que j'ai. Franchement, est-ce que vous savez sur live? Franchement, moi j'ai un doute. Il a dit A pour ça, c'est sûr. Non, c'est dedans. Franchement, je ne sais rien. Personne ne répond. Je sais plus qui c'est la Miss aujourd'hui, moi. Enfin, dit avant les. Oh, c'est les deux QJT, putain. Non, mais t'as dit quoi, toi? Mes réunions. Ah, putain. J'avais dit réunion, je l'ai vu. C'était D, 17 tournois. Moi j'aurais dit D aussi, c'est pour ça que je t'ai pas coupé, mais j'étais entre les deux, mais à Guadeloupe quand même, souvent, elles sont plus belles que les réunionnais déjà, donc... J'ai dit c'est tournoi. Non mais j'avais pas d'assurance en le disant, tu vois, c'est que pour moi c'était une image que je me fais en général des femmes. Les Guadeloupéennes ont souvent été plus jolies que les réunionnaises. Mais il y a déjà eu plein de Miss France réunionnaises. Oui, peut-être, mais. Bah, il y en a une. C'est tout. Il y a Valérie Beg. Sonia Roland, je suis pas sûr qu'elle était réunionnaise. Et c'est tout. Après, sinon, souvent, c'est rarement c'est dur, des. Hein. Mais je sais pas, j'aurais dit que les Guadeloupéennes étaient plus jolies que les. Bon, je vais quand même aller voir en ligne vite fait, ouais, s'il n'y a pas de joueurs sans dessus, juste pour quand même leur mettre une branlée pour me rassurer, est-ce que. Il y aura personne, mon avis. Mais j'ai l'impression que personne n'a acheté ce jeu. Hein. Mais tu rigoles, j'ai vu, il faisait des lives là-bas, enfin, il y a déjà. Bah, du coup, on va en trouver. On va faire France d'abord, mais France, c'est impossible. Alors, voyons voir s'il y a du monde qui joue. On va être obligé de demander à ce soir de se connecter dans pour la avoir France, quelqu'un. Il n'y a que nous. Salon monde. Ah non.
L'international. On trouve le mettre international, mais. Personne n'a une histoire drôle. Attends, je réfléchis. Si c'est drôle, j'en ai une. Parce que souvent j'entendais bien, mais le problème c'est que moi j'ai du mal à les refaire. La Rwandaise Sonia Roland, j'avais un doute, tu vois. D'où elle était, je savais pas du tout, mais. Ah, y'a pas quelqu'un qui met les mille là-bas. Mais comment. Non, c'est. Il cherche. Mais si. Si elle est. Ouais, mais ouais, les Rwandaises doivent être mises en France parce que. Faut être Miss France. On attend celle qui en a un là. Y'a personne. Parce qu'en vrai, quand on regarde, à part. Bah, si, la dernière, c'est pareil. Elle est d'où la dernière? J'ai pas suivi. Je sais plus du tout. C'est pas longtemps, c'est 2-3 jours. 2 jours, 3 jours, une semaine. La dernière, la toute dernière, je sais plus c'est qui. Bah, je sais pas si on va trouver quelqu'un, moi. J'ai... Tu m'en feras aussi. Non. Bon, quand même. Attends. Bon, l'autre est. T'as Angie, elle se la raconte. Hein. Depuis qu'il y a son anniversaire, Angie, elle se la raconte. Hein, si vous saviez. Faire à manger, là. Trop de trucs à faire. Mais t'as bien raison, ça dure un an. Fais-toi plaisir. Bah, t'en fais deux, c'est bien. En chacun, ouais. Du coup, tranquille, tu vois. C'est sûr, il a allumé le micro plus tard. Mais oui. Je l'ai pas coupé quand je suis parti. Mais non, tu. Toi. T'as eu. Oui. Non, si tu vois. Bon, bah, du coup, Yason perd. Du coup, bon, bah, je vais retourner là. J'irai voir plus tard s'il y en a en international, tu vois. Mais... Je vais voir s'il y a d'autres persos qu'on n'a pas essayé. L'INSEE, on l'a pas essayé. Père de famille, ah non, la chercheuse, pardon. On dirait que ça gueule. Ouais, Massimo, il est tellement bien aussi, Massimo. Moi, j'aime bien Massimo. Je le reprends parce que je suis sûr qu'il va me porter chance à force. Je suis pas cool. Ok, il a pas peur de taper l'affiche. Il est allongé, il a dit, du coup, il a fini de réfléchir. Donc non, il a peur de se taper l'affiche, oui. Plutôt ça. Ouais, t'inquiète, ça avait vénère Angie, tu vois, elle a failli tout casser dans la pièce, mais bon, bah, ça va le faire, hein, t'inquiète. J'ai pas fait, t'as pas arrêté de faire n'importe quoi, toi, avec la même. Ouais, le rhum, t'as raté plein de trucs parce que on a eu le million deux fois déjà. Non, je regarde. On a cherché du monde en ligne, mais y'a personne. Non, j'ai fait des boulettes encore. J'ai écouté les gens, j'aurais pas dû. Moi, bon, dis, tu peux savoir. Non, tu sais pas. Tac. Oh, mais qu'est-ce que c'est que je savais pas qu'est-ce qu'on utilise pour faire du popcorn. Non, mais c'est sérieux, là. Ouais. C'est ta faute, est-ce que. Hein, alors. Dans le corps humain, que sont les molaires et les ossives? Wow, d'autres pieds. T'as même dit que moi. Non, c'est pas d'autres pieds. T'as vu, on a dit les mêmes choses, c'est beau. Les orteils. Bah oui, moi je dis d'autres pieds. C'est la même chose. Putain, on est les champions. Bon réflexe, c'est bien trouvé. Tu m'étonnes, moi aussi, je me fiche d'être fait de main. En plus, c'est Noël, moi, c'est casse-moi. Bon, je stresse de Noël, je sais pas pourquoi, j'aime pas. Non, la classe. Hop. MJ, ça c'est pour toi. Un parolier célèbre se nomme Oscar. Moi je dirais Stein, mais j'en sais rien. Amerville, non, Amerville. J'en sais rien. Oscar Amerville, ça me dit quelque chose. Est-ce que quelqu'un sait là? Parce que moi je crois que c'est Amerville. Un parolier célèbre se nomme Oscar Amerville. En même temps, Stein, ça me paraît. Bah franchement, je l'attends parce que. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, on sait pas. C'est peut-être bien Stein, Hammerstein. Hammerstein. Un des deux.
Ville où je... Ah, c'est Stein, putain. Oh putain! J'ai senti ça. Je suis désolé, c'est ma faute. Oh putain. L'écriture en plus, ça m'est venu d'un coup. C'était Stein, c'était sûr, mais je suis sérieux moi. Bon bah là c'est ma faute, je suis désolé. Ah désolé Elrom, j'ai répondu trop tôt, enfin j'ai plus beaucoup de temps et puis... Ah j'ai fait le con avec le décalage, ça laisse pas beaucoup de temps pour vous à répondre, c'est ça que je suis. Ah là 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 là, c'est ma faute là, franchement, j'ai déconné. Bon la prochaine j'essaye en ligne et en international, je suis sûr on va tomber sur un requin, on va lui mettre sa race. Y'a personne. Bon une petite vite fait histoire de rigoler. Quel est le prénom du panda de Kung Fu Panda? Ah, j'ai pas trouvé ça. Quel est le prénom du panda de Kung Fu Panda? Kung Fu Panda. Ouais, c'est facile, il y a deux lettres. Et c'est une lettre, c'est deux lettres qu'il peut y avoir chez un Teletubbies. J'ai des souvenirs d'enfance, je pense que Teletubbies, tu vois. Bah c'est presque ça en plus, t'étais pas loin, il te manque une lettre. Comme ça tu vois. Non mais Saturnin, c'est l'écriture moi qui m'a donné envie de mettre Stein. J'en savais rien non plus. Mais Hammerville, ça sonnait comme Hammer collé à ville. Et du coup, c'est une fois que j'avais déjà validé, je me suis dit là il y a un problème. Stein, ça sonnait comme un vrai nom, Hammerstein. Alors que là, ça faisait Hammer collé à ville, ça faisait bizarre. Hammerville, je pense que si ça avait existé, ça aurait pas été écrit comme ça, je sais pas pourquoi. Sans E, où il y aurait eu un truc. Avec juste un L, ou je... Quel objet peut-on rempailler quand ils sont usagés? Oh, rempailler. Quel objet? On est sérieux là? Ah oh, ouais. Les horloges, les couettes, bah les chaises. C'est les chaises. 100% sur les chaises. Mais qu'est-ce que t'as fait? Parce que je croyais que ça datait de l'ancien temps. Et j'ai tenté mais un truc. Mais sérieux? Ah, chaises, ça me paraît trop gros. Ça me paraît trop. Oui, je sais, mais ça me paraît trop gros. Mytho, tu savais pas? Mais que c'était. Non, je savais pas que c'est de la paille. Non, je savais pas que c'est de la paille. Par contre. Non, mais là, c'est encore de ma faute. Possible. Non, mais là, c'est abusé, par contre. Mais non, non, celle-là, je voulais tenter un truc parce que j'étais sûr que ça venait de l'ancien temps et que du coup les couettes étaient pas faites en. Elles étaient rembourrées avec de la paille, tu sais, comme ça. Et je pensais à ça en fait. Je me suis dit, la chaise que tu rempailles, c'est trop facile. En même temps, je suis con, c'était une question facile donc j'aurais dû. Non, mais là, c'est bon, allez. On y est, c'est la première question, du coup, on a comme un droit de. Tu vois, pour recommencer. Ouais. Après, la prochaine tire en ligne en international. Pour désigner quelqu'un au hasard, on tire à la courte, du coup paille. D'accord. Hein. Je m'excuse, j'ai eu un mot d'égarement du coup tout à l'heure. Où pouvez-vous trouver une tour appelée donjon dans un château, je crois. Bon, petite tomate en passant, on en voit. Il n'y a jamais eu de saucisse dans la choucroute d'Amy Wenas. Dans les cheveux d'Amy Wenas, il n'y a pas de saucisse, de saucisse, je crois. Ça n'a plus à parler, non, Dieu. Quel girls band a révélé Beyoncé? Moi, je sais. Angie, tu dois savoir, ça. Beyoncé? Ouais. C'est facile. Hein. C'est facile. Ok. Ah si, ça c'était un des airs de leur musique. Iris, est-ce que c'est moi ou c'est dans l'œil? C'est dans l'œil. Hein. Destiny Child. Il est sérieux le jeu. Destiny Angie, Child. Demain tu tapes. Ouais, mais à 9h. Mais... Angie ne savait pas que Beyoncé avait été sortie par les Destiny Child. Donc, dans quel dessin animé croise-t-on Pikachu, la Team Rocket et Sacha? Ça devrait aller ça.
J'ai pas écouté. Mais putain, mais il pose 15 000. Dans quel dessin animé là, la question là-bas. Dans quel dessin animé croise-t-on Pikachu, la Team Rocket et Sacha? La Team Rocket plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous ou ce sera la guerre. Quand j'étais petit, j'ai regardé ça. Bah, c'est Pokémon. Ah oui, bah. Ah, c'est beau. En 2008, à la télé, on pouvait regarder la série. En 2008. Putain, la vache. Oh, Parasol, éventail, Tongue et Pareo. J'ai l'impression que c'est Tongue et Pareo, mais je sais pas pourquoi. Ah bah non, je suis con. Non, je suis con, pardon. En 2008, à la télé, on pouvait regarder. J'en sais rien du tout. C'est deux séries, c'est pas une série qui s'appelle comme ça. Je pense. Hein. Tongue et Pareo, ça existe? Non. T'es sérieux? Non. Oh putain, je peux plus changer, t'es sérieux? Oh, je peux plus changer. Oh, je croyais que c'était deux séries. Mais non, mais j'avais déjà cliqué deux fois, donc je peux pas revenir en arrière. Moi, je connais aucune des quatre, là. Mais je pensais que c'était deux séries et du coup bah je pensais à Soda en 2008, je me suis dit 2008 sorti Soda. Eh hey, mais c'est une blague là. C'est quoi ces questions de là, là. Franchement, je connais pas un truc, on a même pas passé premier palier, c'est quoi ce bordel pourtant je sais que je suis pas toujours très intelligent mais quand même je suis pas le roi des cons en plus, tu sais. C'est incroyable de voir ça. Ah ouais, moi je croyais que c'était deux séries, hein. Leur truc, quand j'ai vu les appellations, vu que j'en connaissais aucune des quatre, je me suis dit, attends, est-ce que... Là, je me suis fait presque une Angie d'un sens. Dans le sens où j'ai tout rapporté à un truc que je connaissais, c'est tout. Putain! Bon bah maintenant, là, sur celle-là, je fais confiance au live, hein, c'est pas possible. Et puis bah... Moi je réponds plus. Moi je réponds plus, je regarde votre écran, j'appuie juste sur croix. Moi j'ai dit, je dis plus rien. Quel empereur romain tu veux ? Bon, je vais dire là quand même parce que j'ai l'impression qu'il y en a. Attends, je vais essayer d'y répondre. Mais... 10 secondes. Quel empereur romain ? Bah, non. Quand même. Allez, Joanji, t'es pas sereine. Non, mais t'es sérieux ? Faut dépasser le palier. Non mais ouais, c'est une blague. Il y a des fois comme ça où, bah là c'est vraiment, je tombe sur des questions, je connais pas, enfin je connaissais pas. J'étais... C'est chiant des fois quand ça fait ça. Il y a des fois tu vas trouver des trucs super durs et à des fois le truc super simple comme ça. Tu... Quel animal est correctement situé sur qui il pousse? Mohamed, Eni. Le pire, c'est que je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est ça. Qui est le troll grognon sans couleur dans le film d'animation Les Trolls? C'est facile. Je rigole, ça serait passé. Branch. C'est ma prière. C'est ça la musique, je crois. Je suis chaud si je me rappelle de ça. Je suis quand même chaud. Ouais, mais c'est... on me rappelle de cette musique là. Parce que c'est ma prière, tu me dis ça comme ça, j'aurais pas trouvé en vrai. Même si tu me dis que c'est la 70 sur le coup, mais c'est quand j'ai vu Mike Brandt, ça m'a fait tilter direct. Bah, j'avoue que ton Pareo, c'était pas top comme nom de
de série. C'est... Et après, c'est que Bikini, temps, je voyais pas ce que c'était, mais je me disais, écoutez, Soda, c'était la série là, avec. Demi-pointe. Oui, oui, ça. Pardon. J'étais pas, j'avais pas regardé la question. Salut John Gotham. Salut Gotham. La forme. Cette fois on est chaud, vous avez vu hein. Lui il va nous aider Gotham. Ouais, j'espère que t'es chaud Gotham parce que j'avoue que je fais de la merde depuis 2 heures. Quel produit comestible entre dans la composition de nombreux produits cosmétiques? Le beurre de karité. Ouais, c'est ça, je crois. Allons-y pour une réponse. Bah oui, c'est ça. Gaz de moteur, ça me ferait mal au cul pour ceux qui se le mettent sur la gueule, quoi, mais. Bon, j'ai réussi le premier palier, déjà, je me sens libéré si vous saviez. En France en 2015, combien de temps en moyenne passe-t-on devant la télévision? Bah vu qu'il y a que dalle, par an. 9 ans. Sur une vie. Hein. Ouais. De quelle surface le tennisman en fait? Ah le coup droit. Ah merde, c'est terre battue, pardon. Non, je crois que c'est surface comment il tape, ça doit être terre battue. Ouais. Bon ça va jusqu'ici, tout va bien. Pure méthode, jusqu'ici, tout va bien. Oh, tu. Okay. 34 heures, pas grand, non. Trop chaud. Ça va te réveiller demain. Ouais. Bah, sinon, je te l'ai expliqué, tu me ramènes. Non, bah, tu me réveilles. Après, va pas se réveiller pour aller ta fille. Me réveille. Ouais. Bon, tiens, Théma, c'est facile. Hein. C'est facile, c'est moi. Je vous donne un indice, c'est moi. Du coup, Angie la Geekeuse, je suis de quel signe? Dans les 12 signes du zodiaque, quel signe vient après Taureau et avant Cancer? Après Taureau et avant Cancer. Gémeaux, Balance, Vierge ou Bélier? Attends, mais comment je me fiche? Facile, Taureau c'est juste avant moi, Cancer c'est juste après moi. Bah, elle me connaît bien, Angie la Geekeuse. Et en plus. Que je suis, toi ? Non, mais bah, je te parle souvent d'astrologie, alors tu devrais commencer à savoir que toi, tu m'as dit 10 fois en plus que j'étais le même signe que ta mère. Ah ouais, mais j'avais. L'autre, à chaque fois, elle me dit que je suis le même signe que sa mère en plus. Oh putain. Les jeunes. Mais non, mais j'avais un doute. Les jeunes, ils connaissent plus la technologie, de toute façon. C'est. À chaque fois, le peu qu'on a parlé d'astrologie, j'ai toujours, elle m'a toujours dit, bah c'est marrant toi, t'es le même signe que ma mère. C'est... Là tu lui demandes un jour, bah tiens c'est quoi mon signe et l'autre elle sait plus. Mais non ma mère elle est Verseau. Bah tu m'as dit elle était Gémeaux. Bah non c'est pas, oui bah c'est Verseau mais du coup mais c'est pas Gémeaux, mais à chaque fois tu m'as dit ça, tu m'as dit bah tiens c'est marrant. Si, tu m'as dit tiens c'est ma mère qui est une Gémeaux la dernière fois. Du coup je t'ai regardé, je me suis. Bizarre. Je t'ai même pas regardé, c'était en live. Ça. C'était au micro. C'était au micro que tu m'as dit ça. La dernière fois. Mais si, bah alors là. Sur le logo du Tour de France, quel est du tour représente le cycliste? Hein? Sur le logo. Oh, je me rappelle plus du logo. Le haut, c'est sur le haut, c'est ça hein? Quel est du Tour de France représente le cycliste? C'est sur le haut. Je crois que c'est le haut. T'es sûr, mais prends un joker. Ah Taureau, Elrom, juste avant. T'es, ouais, mois de, bah, tout le mois de mai, quoi, mais jusqu'au 21, je crois. Je crois que c'est le haut, Taureau. J'ai joué au jeu plusieurs fois. Oh, c'était la D, c'est sur le R. Oh putain, c'est sur une des boucles. Ah, je suis vraiment une brèle.
Le problème Elrom, c'est que le D, je croyais que c'était pour la réponse d'avant, je me rappelais plus que putain là tout donc haut. Attends, j'ai pas capté là. Soit j'ai mal lu, j'ai dû mal lire la question, c'est pas possible. Là tout donc haut. Voilà, j'ai dû mal lire la question. Moi je voyais le logo Tour de France. Après sur le jeu je vois le logo et le cycliste il est... Faut que je regarde. C'est dans ma tête, je revois le logo et putain c'est bizarre. Ah je dois bugger, ça se peut. Ça fait longtemps que j'ai pas joué mais... Ouais ça va être ça ouais. Tu dois avoir raison du coup, c'est l'histoire de... Il est sur deux lettres. Et le cycliste c'est dans l'autre lettre, ouais, c'est possible. C'est possible, c'est possible, putain. Ça me dénerve ça. Oh là là. Mais si l'autre fois tu m'as dit ça. Tu... Parce que c'est quand... Je t'ai montré, enfin, je t'ai parlé de je sais plus quel truc qui avait un rapport avec le signe astrologique, le truc de l'autre là. Et tu m'as dit, oh t'es Gémeaux, t'es comme ma mère. Et je fais, ah ouais, ouais, c'est bien. Ah ouais, ça va être ça, je me suis baisé comme ça du coup, énorme, je pense. Ouais, non, mais là c'est moi, putain, je suis. Je m'énerve parce que du coup là j'ai pas du tout les bonnes inspirations ce soir, c'est incroyable. Même quand les intuitions elles sont pas bonnes du tout. En fait il est sur deux lettres le truc. Et le cycliste en lui-même il doit être sur l'autre lettre. Ah. Voilà ça devrait aller. Ouais, j'espère. Ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. 20 ans après c'est le moment. Allez les bleus. Non ça a réussi, moi j'ai au Brésil. Non, non, c'est en Brésil. Angie elle fait la championne et tout, puis en fait. C'est ok, on vient d'avant. Maestro Kipembe, Kipembe. La France, la pioche au pôle nord. Bon, Paul Pogba. Enfin, une question au foot, on y a une heure. Enfin, vu l'endroit où elle est, la question foot, à la limite, ça aurait été une question, on aura peut-être du moyen de répondre aussi quand même. Bah, quand tu sais qu'un mec bourré il peut prendre une amende en étant passager, tu te dis que dormir pendant le trajet, en vrai, il pourrait normalement devoir prendre une amende. Bah, quand tu sais qu'un mec passager qui est bourré, il peut prendre une amende, je me dis que, vu les propositions, en vrai, dormir pendant le trajet, du coup, ça devrait pouvoir être presque verbalisable, du coup, parce que je vois pas la différence entre les deux. Vu que dans les deux cas ils sont censés être attachés. Mais oui, Angie, elle a confondu avec 2014. Angie, où se trouve le larynx? Où se trouve le larynx? Le larynx. Pieds, poignets, gorge, estomac. T'as dit l'estomac? C'était la gorge.
Espagne. Mexique, du coup, mais. Mexique. J'aurais dit Espagne autrement. Quelqu'un sait là parce que j'ai un piège. Enfin, je suis dans un piège. Dans quel groupe a cappella les chanteurs sont-ils entièrement vêtus et grimés de blanc? C'est pas Imovrini, c'est sûr. Grâce à moi tout ça. Non, c'est public. D'où viennent les crêpes appelées les binis? La Russie, ils en mangent beaucoup, je crois, ouais. La Grèce. Non, c'est la Grèce, je suis con, c'est la Grèce, la Grèce. J'ai une bonne intuition pour la série. C'est du pain grec, ça. Putain, j'ai dit la Russie au départ. Les binis, c'est pas grec. J'étais sûr que c'était grec. Mais en plus, j'ai dit la Russie au départ, j'avais un doute. Putain. Mais c'est pas possible. C'est quoi ce jeu de ouf? Comment je peux avoir toujours la mauvaise intuition alors que je pense au bon truc en plus? Oh, ça me vénère. Et là en plus je le dis avant, tu sais, je fais putain la Russie. Et je vois la Grèce arriver, je sais pas pourquoi j'ai sauté là-dessus, putain. Bon, une petite colle pour le live. Au milieu de quel archipel montagneux la ville d'Ushuaïa se situe-t-elle? Vous êtes mal. Retrouvez celle-là, faut retaper sur Google. Bon, on va faire une petite recherche au cas où. Saturnin est parti. Tahiti, non, c'était Terre de Feu. Mais Romain, je sais pas du coup à quoi ça correspond. La réponse à ma question, c'était Terre de Feu, ouais. Alors, je vais voir si j'en ai une autre. C'est les apéritifs cubes, hein. Alors après, vous savez, des fois on a deux, des fois c'est compliqué. Alors, bon, vous n'avez pas trouvé, du coup, il y a quoi? Putain, j'en reviens pas d'être aussi nul ou con, je sais pas, mais le temps c'est chiant, il manquerait juste une minute, peut-être une minute, mais. Le temps faudrait pouvoir le diminuer un petit peu. Xanathed. Je sais pas si t'as entendu, Yannick t'a dit bonsoir, mais allez loin et prépare des trucs en même temps.
Ouais, bah je crois que ça, c'est fuck, hein, y a personne. Du coup. Bon, du coup, cette fois. Cette fois, je vous le dis, c'est soit tu tapes le million, soit je crois qu'il va y avoir un petit changement de jeu vite fait. Obligé. Bah, si je tape pas le million là. J'avoue que j'avais un côté. Ah ouais, j'avoue, excuse Samir. Ça grignote des gâteaux apéro, taille. En mode apéro tranquille devant la console, tu vois. Avec Angie la geekeuse, mais là, elle est partie juste faire un petit truc là. Elle prépare des trucs, je sais pas ce qu'elle fait. Je la vois passer, mais je sais pas ce qu'elle fait. Elle m'a dit, je reviens. Bah si bien Samir. À votre les gens qui sont sur le live, s'il y en a qui sont à l'apéro, je sais pas, vu l'heure qu'il est peut-être pas mais. Bon, cette fois. Non là c'est ouf, je dis la bonne réponse au départ et putain je change. À chaque fois ça c'est moi ça. C'est le syndrome de la NG de tout à l'heure en fait. Elle dit non, elle fait des trucs, je crois. Elle transporte des trucs des fois elle transporte pas, je sais pas, je la vois passer. J'entends des bruits là, elle est derrière un rideau. J'avoue, peut-être posséder, c'est peut-être le truc. Je suis en train de me poser la question du coup maintenant. J'entends plein de trucs bouger derrière un rideau. Je ne sais pas. J'y pense aussi à celle-là, mais je pense qu'on va bouger là-dessus juste après, on fera en live aussi. Cette fois, du coup, bah. Moi, je sais pas ce que je vois ce jeu sur le compte Andy, hein, attention. Ah, y a des propositions pour faire un petit BO après. Black Ops. Ah non, c'est pas Black Ops, c'est. Ah ouais, non, moi, c'est sur l'autre Call of que je joue, moi. Du coup, c'est ça aussi. Cold War, moi, je pensais jouer plutôt. Attends. Ah ouais non, moi j'ai pas vu que c'était Black Ops d'ailleurs, je pensais à quoi, à l'autre moi. Si on a qui l'ont, faut voir après le dernier Cold War. T'es sûr ça lag à mort à ce point là? Parce que moi je l'ai encore normalement sur mon profil pour 2-3 jours genre. Ça lagait hier mais c'était jouable après. En géométrie, avec quel instrument? Ouais, ça va, c'est tranquille. Je suis con, mais il y a des limites. Tu dis qu'à la flemme? Non, ça va jamais, ça. Il est 19h... c'est... Non, c'est rigolo. Putain, mais la vitesse où est... Putain, j'ai pas compris le délire. La température. Ok. Bah, merci à l'équipe des rédacteurs de me proposer une nouvelle question. Sérieux là, comment je vais trouver ça moi? C'est soit la petite, soit la grande. Mais j'en sais rien. Quelqu'un sait là? En astro. Oh putain.
Moi j'aurais dit la grande ours, mais. La grande ours ou la petite ours, ça peut être. Ouais, j'ai l'air con. Donc c'est la major. Ouais, je suis con. Ouais, désolé, je suis con, j'ai pas pensé. Ouais, non, je suis con. C'est la major. Du coup, c'est forcément la grande, c'est pas la petite. Vu que les deux existent, j'étais pas. Et je croyais qu'il y avait une feinte, vu que c'est le truc français, que ça avait rien à voir avec les deux et qu'il y avait un autre truc, mais non, non. Putain. Je me suis dit, je vais pas aller comme tout à l'heure, aller sur un truc. Bah oui, t'as raison, Jérôme. Je me suis dit, je vais pas juste suivre mon intuition comme tout à l'heure, et puis. Puis en plus, j'avais pas vu le major. Ouais, il y a au moins 3 cas que je pense la France entière s'en battait les couilles, mais. Enfin 4 d'ailleurs, cas. D'ailleurs je crois que les 4 cas, mais pas à l'époque où c'est arrivé pour le baptême de Clavis, je crois que c'était un truc de ouf. T'as un petit saut, la pêche ou quoi? Bah ouais, j'avais besoin d'un ami à télé, qui téléphonait en cas de besoin, tu vois, pour le jeu, pour faire l'appel à l'ami. L'épreuve ultime du... Bon, ça va. Ouais, franchement, putain, vous êtes sérieux par contre. J'ai un problème, ça fait hyper longtemps que j'ai pas regardé cette émission. Vu le nez, je dirais le même final, mais quelqu'un peut m'aider. Parce que je me dis, le burger de la mort, il pourrait d'un sens. Après les autres, bon, j'y crois pas trop, mais. Burger de la mort au même final, les gens. Ok. Merci, Elrom, j'espère que c'est ça. J'ai un doute entre eux et les deux, donc j'espère que c'est celui-là. Ah bah oui, quel suspense. J'aurais été vers. J'avais un doute, putain. Non, mais c'est que souvent il y a les miams dans Burger Quiz, et vu que ça fait hyper longtemps que j'ai pas regardé un truc comme ça, que ça m'a jamais marqué de fou quoi. Ah, faut voir. Ça c'est 10, ça c'est 8 ou 7. Ah, le pantathlon. Je crois que c'est celui-là. Hein. Les ptathlons, ce sera jamais 5, on est d'accord, c'est 8 ou un truc comme ça. Ah, ça met d'autres quand il y a le truc comme ça, quand il te fait attendre. Ouais, c'est ça. Bah, bien sûr. Ah, c'est. Angie la geekeuse, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2019? Greta Thunberg, Edward Snowden, Donald Trump, Abiy Ahmed. C'est pas Greta Thunberg, c'est ça hein? C'est Greta Thunberg ou pas? Il me semble c'est ça. Ou c'est un moins connu? Ou c'est Edward alors? S'il y en a un qui sait, faut me dire. Si vous savez pas, bah dites-moi que vous savez pas, parce que du coup j'attends votre réponse sinon. Jusqu'à la mesure, à la limite du. Je crois que je vais prendre un truc quand même. Moi j'aurais dit Greta Thunberg. Ouais, c'est ça. Il dit Pissot. Un petit saut, tu vas me faire remonter au million. Parce je savais. Que Kevin, il galère. Mais non, mais là je savais, c'est Greta. Un million en mode enfant. C'est B, Saturnin. Pourquoi tu dis B? T'es sûr, Saturnin, que c'est B? Oh, j'ai un doute maintenant. C'est Greta. Greta, elle a fait parler d'elle, ça c'est sûr. Il me semblait qu'elle avait un truc comme prix Nobel ou. Ah, tout le monde sait pas en fait. Fallait le dire avant. Oh merde, ben voilà, je savais, il y avait un doute. Saturnin, elle a dit B. Parce que Greta, elle a fait parler d'elle, et je savais pas c'était en quoi. Et pour une fois, Saturnin, t'avais grave raison. Ouais, bah, attends, une dernière. En passant, vu que je suis trop mangé un apéricube, dans quelle ville est muté Philippe Abrams,
dans Bienvenue chez les Ch'tis, pardon. Ça devrait pas être trop dur. Mais pareil que toi, petit saut, elle était chaude par rapport à. Non, c'est Berg. C'est Berg, petit saut. Mais pareil que toi, sur la question là, je croyais trop c'était Greta parce que je savais que c'est un truc en rapport avec l'écologie et je me dis en ce moment, l'écologie ça fait tellement. Presque fantasmer les gens, l'écologie, que c'est vénère. Non, c'est Berg. D'ailleurs, dans ses sketchs, Danny Boone, il fait souvent référence à ça, Berg Plage. Ouais, c'était ça, Saturne. Bah, toi, en plus, c'est pas toi qui m'avais dit que c'est pas loin de chez toi, Saturne, un truc comme ça. Berg. Je sais plus. Il me semble que tu m'as dit ça, Saturne, un jour. J'ai un doute, mais il me semble. Ouais, c'est ça. Je sais que dans ces sketchs j'ai failli faire nous on a Berg Plage. j'en ai une autre, tiens, de la Péricube. Quel est l'accessoire vestimentaire qu'on associe à Amélie Nothomb? Ça c'est une belle question. Franchement je sais pas qui c'est Amélie Nothomb, alors. Enfin je sais pas quoi là. Je répète la question parce que je l'ai mal lu. Quel est l'accessoire vestimentaire qu'on associe à Amélie Nothomb? Bon, ouais, je crois, par contre, je l'ai dit tout à l'heure déjà, mais je crois, la dernière fois, je recommence après. Faut bouger de jeu, quoi. Alors, quel dessert que c'est pour trouver? Ouais, ça va. Hein? Bah non, mais recommencer 18 fois la même pyramide de questions sans réussir à passer. On a réussi quand même à faire le deuxième palier une fois. Et une fois sur 248 participations. Et attends, on était où là? Quel dessert glacé peut-on trouver? C'est une omelette norvégienne, non? Ouais, je crois que c'est ça. Et donc, je disais. Non, c'est un chapeau. C'était le chapeau pour la réponse à la question de la Péricube. Bah oui. Pour la première question, prendre le temps de la réflexion, ça, il faut. SDB. Bah quand même. Ouais, moi c'est petit saut, c'est un peu ça. Ouais, c'était ça, Elrom, quand t'es arrivé, on a fait le deuxième palier. Enfin, on l'a fait à un moment donné, ouais. Je sais pas si c'est à ce moment-là que t'es arrivé exactement, mais... Mais je sais pas, j'avais les bonnes intuitions, que là j'ai pas des bonnes intuitions depuis tout à l'heure. Dis-lui que je regarde Clem. Non, c'est... non mais là la question est tellement conne. Bon, Angie a dit Saturna, faut que tu rejoignes aussi, c'est pour ça. Le jeu. Bon, on a pris des gros risques effectivement pour répondre à la deuxième question. Travailleur, travailleuse. C'est ça qu'elle disait tout le temps, elle rame ta guille. Lutte ouvrière.
abusé les gars. Bah ça va, c'est même pas le premier palier, petit saut, t'inquiète. Encore j'ai ça, on a quand même réussi à prendre la branlée tout à l'heure sur le premier palier, mais ça dépend des moments, tu sais pas d'où ils sortent des fois les questions. Kessler s'est marié avec le mania du luxe français, François-Henri Pinault. Putain, mais si, c'est pas Salma Hayek, c'est ça. Hein. Ah, je crois que c'est ça, je suis quasi sûr. Tu vois, genre cette question-là, elle aurait pu être piège. Mais je dis ça, ça se trouve, j'ai mal répondu, mais... Quel star s'est marié? Putain, j'ai un doute, non? Oh là là. J'avais un gros doute au dernier moment, tu sais. Sortir. Mmh. On va savoir. Il y a pire comme question pour. Ah ouais, du coup, tu lances à vers sa question. Bah, je préfère l'avoir eu dans le sens que je l'ai eu, hein, je te le dis. Parce que trouver Pinault sur une question comme ça, je peux pas te mentir, c'était pas gagné. Alors que Salma Hayek, je crois que je l'avais entendu qu'elle était avec un Français. Tu dis quoi, Angie? Excusez-moi, parce que Angie, d'habitude, elle passe, et là, elle a parlé carrément. Du coup, j'étais un peu scotché. Days Gone, bah j'ai pas ma console là, tu sais. Ah, non, merde, non. C'est pas sur ma console. Bah oui. Putain, je vais zapper. C'est triste. On peut finir. Alors là, va falloir m'aider les gars. Parce que je crois, mais. Tu l'as sur ta console, Last of Us? Sur la mienne ou la tienne? Je crois que c'est sur la mienne aussi. Ben non, qui est la toute jeune actrice qui joue aux côtés de Jean Reno dans Léon? Alyssa Milano. Moi j'aurais dit ça là. C'est A ou pas? J'ai pas fini en plus. Est-ce que c'est la A ou pas? J'ai un doute, putain. Audrey Tautou ou... Non, c'est Alyssa Milano, je suis quasi sûr. Je crois que c'est ça. Bref, je me laisse aller, je suis un fou. Et c'est Nathalie Portman, je pète un câble. Non, je crois que c'est Audrey Tautou. Non, c'est pas Audrey Tautou. Alyssa Milano ou Nathalie Portman, un des deux. Alyssa Milano, je crois, c'est ça. Je suis quasi sûr. Hein? Tu crois, petit saut? Non. Non. Oh, j'hésite entre les deux. Oh non, j'hésite entre les deux. Oh putain! Pourquoi tu l'as pas écouté? Bah j'ai appuyé avant. Oh putain, j'hésite entre les deux! Ils écoutent pas, voilà. Et en fait, c'est qu'Alyssa Milano, bah moi je vois pas qui c'est. Du coup, c'était plus simple. Il était quasi sûr, mais non, mais pourquoi tu l'as pas écouté? Et parce que j'avais appuyé avant. J'aurais dû être mon dernier moment pour. Mais là, je sais pas, l'intuition était tellement forte. Allez, putain! Bah une dernière fois alors, parce que CNG elle est revenue, du coup, elle va faire. Bah ouais, sa révélation, c'est clair, parce que ce film, il est ouf. Léon, tu te rappelles de Léon? Ce film. La première fois que j'ai vu, j'étais choqué. J'étais branleur, putain, je me rappelle. En voyant la petite, j'avais halluciné. Même le personnage de Jean Reno, il est ouf. Ah ouais, c'est ça. Ouais, du coup, ça pouvait pas être Alyssa Milano au final. Moi, c'est que je voyais pas qui c'est Alyssa Milano et je me dis, c'est un nom qui sonne bien pour une brune. Et Audrey Tautou, ça me paraissait abusé. Nathalie Portman, je vois plus qui c'est non plus. Elle est connue, mais je vois plus qui. Ouais, du coup, ouais, c'est elle. Je vois plus du tout, ouais. Bah, je vois du coup son visage dans Léon, mais je vois pas. Mais grave, elle Rome, hein, tu sais, moi là, je suis pourtant pas vieux du tout, mais. Moi aussi, je commence à chaque fois à repenser à des choses en me disant putain, j'ai déjà cet âge là, ça fait déjà aussi longtemps qu'il y ait ça, qu'il y ait ça, qu'il y ait ça.
Qui a eu ça? Bah ouais. Putain, mais on n'est pas prêt de gagner ton putain de million. Comment ils font ce cours ici? T'écoutes pas aussi. Mais non, mais j'avais appuyé avant, ouais. Il a rajouté pas une couche lui en plus. Quoi? Tout ça, ça va, t'as la vie devant toi. J'avoue, depuis tout jeune. Et surtout qu'en plus c'est Elrom, je sais pas quel âge t'as Elrom. Mais ça se trouve, on doit être dans le même âge, ça se trouve, tu vois. Ça se trouve, il est même. Non. Ça se trouve, il est même plus jeune que moi, ça se trouve. Ou l'inverse. Il est dans tes âges? Je sais même pas. C'est pas les âges. T'es quel âge Elrom? Ah, je dis le mien après. Moi je suis jeune alors, ça. C'est bien. Je crois que je suis jeune de toi. Bah moi j'arrive à la trentaine, tu vois, tranquillement, je la regarde de loin, je me dis toi t'as intérêt de rester calme, tu vois, tu restes loin de moi. Oh le mytho. Bah à ton frère ça arrive petit saut, c'est dans quelques dans deux semaines, trois semaines. Peut-être un mois, trois semaines. Le saut est là. Ah ouais, il va avoir 30 ans aussi du coup. 16. Putain ça arrive. Attendez, parce que là, joueur de blues, oh, en 81, qui redonne des couleurs à son public en chantant joueur de blues? Là, je vais sûrement passer pour un con, c'est Michel Jonas ou j'en sais rien. C'est là que... Oui, bah c'est je suis con, que... mais oui, non, mais si, les autres n'existent pas, pardon, autant pour moi, j'étais en mode... Les autres, oui, ils n'existent pas. C'est ça, en fait, c'est pour ça. Attends pour moi, je pense à autre chose, du coup j'étais justement dans ce qu'il me disait. Petit saut. Mais non, mais c'est que les autres n'existent pas, petit saut, c'est pour ça. C'est pour ça, moi non plus je savais pas, mais le seul qui existe c'est Michel Jonas. Ouais. Allez là. Bon, petite question à Péricube en attendant. Raphaël Nadal est-il droitier ou gaucher? Vous devriez vous en sortir. T'as dit quoi, petit saut? T'as dit gaucher, petit saut? Bah moi aussi j'aurais dit gaucher en plus. Mais apparemment il est droitier. Du coup c'est bizarre, j'ai l'impression de l'avoir vu gaucher moi toujours ce mec là, non? C'est fou. La plupart des gens sont automatiquement incapables de toucher leur coude gauche avec... Bah leur... Ouais, c'est presque faisable, leur nez. C'est presque faisable en vrai. Ouais, c'est compliqué, mais c'est presque faisable, hein. Tu vas peut-être pas loin de l'arriver. Et ouais, non, apparemment, bah, selon Rafael Nadal, il est droitier. Putain, je l'aurais vu gaucher, je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Moi aussi, petit saut. Et je me demande s'il joue pas au tennis de la main gauche, justement, ce gars-là, pour qu'on croit tout seul. C'est bizarre. Il serait droitier et j'aurais...
Ça c'est facile. La dernière fois j'arrivais pas à dormir, je suis tombé devant ça, je me suis dit putain faut que je retourne ma baraque, ça se trouve chez Homme, j'ai des trucs que... Je crois que c'est ça à faire conclure. Attends, c'est... oui c'est ça. Après, je sais pas. Ouais c'est pour ça ouais. Bon, les pommes et les fraises sont de la même famille que les roses, vrai ou faux? Ouais c'est ça, je me suis endormi l'autre fois, enfin endormi, justement j'arrivais pas à dormir. Et je zappais sur les chaînes et tout. Et tellement je sais pas et je tombe sur ça putain. Et je jetais comme un con. T'as des gens ils arrivent avec des trucs, tu te dis vas-y ça je t'achète ça 10 balles, t'as une brocante. Et en fait ils se le font refourguer à 1500 balles, ils repartent et ils ont touché 1500 euros sur un truc qui coûte 10... tu croyais coûter 10 balles en fait, non trop pas. Lequel de ces édifices a été construit en 1961 et détruit en 1989? La pyramide du... le mur de Berlin. Allez pas me prendre pour un con. Et bim. Bien joué Saturnin. Ah oui j'ai pas répondu à la question. T'as dit faux Saturnin sur la question de terre. J'ai pas répondu d'ailleurs. Alors attendez, un manel que l'on offre en décembre est en forme de... Est-ce que quelqu'un peut me dire? À mon avis, c'est en forme de botte. Attendez. Ah, je vais prendre un joker. Alors, donc, j'avais dit, c'était la question de tout à l'heure, faut que je la retrouve. Merde. J'aurais dit botte, je sais pas pourquoi. Putain, faut que je retrouve la question que je disais là. Oh, c'était un bonhomme. Putain, j'ai suivi le public, j'ai perdu. Ouais, j'ai obligé, il va falloir changer de jeu. Ouais, la réponse était vraie, Saturne. C'est fou ça. Est-ce que je leur tente une dernière fois? Est-ce que je change de jeu tout de suite? Une dernière fois. Bah, le temps que je joue, enfin qu'on en refait une dernière, je réfléchis à ce que je joue après. Un jeu où je serais fort, moi je vois que Call of, hein, mais. Un jeu du ou Call of? Alors en fait, Angie, quand je suis pas là, c'est genre vas-y, ou quand je veux pas jouer à la console, vas-y, on fait un Call of, tout, tu vois. Et là, je veux faire un Call of, tu vois. Oh non, Call of, t'as eu. T'as eu. Mais non, mais c'est vrai. Souvent, Angie, ça fait longtemps, la Call of, depuis qu'il est sorti. Et ben, elle me dit, prends Call of, t'es trop bien, prends-le et tout. Et joue devant moi, tu veux pas essayer, prends-le, joue, tac. La soeur, je me dis, tiens, un petit Call of, Angie, tac, on fait. Mais ouais, mais... ça bug tout le temps, je peux Call of, ça bug tout le temps, elle me dit. Alors, ouais, je... Salut Neputio. Mais c'est pas ce que ça va faire, mais je vais voir, tu verras. Bah si je mets. Bah non, ouais. Jouer, mais. Bah tu sais, petit saut, bon sur FIFA, ouais, ça a été, mais je suis moins que je l'étais. Et si, j'ai rejoué d'ailleurs au fut, petit saut. Mais quand même, bah là ça va, maintenant je gagne mes matchs, vu la division que je suis, forcément je gagne les matchs, tu vois. Mais putain, la galère pour gagner des matchs, la défense est trop chaude, je trouve, c'est incroyable. L'attaque est facile, mais la défense elle est trop chaude, je trouve, sur le dernier FIFA, je tombe contre un mec qui a que des joueurs rapides, si je joue pas leur jeu tout de suite, t'es mort. Mais j'ai pas essayé même les saisons sur la PS4, j'ai dû faire un match vite fait par-ci par-là. Le problème sur PS4, j'ai vu, enfin après je sais pas comment c'est sur PC par exemple, mais putain comment c'est cheaté les matchs, t'hallucines, c'est scripté à l'avance et tout, c'est... Là je commence à réussir à grave gagner des matchs en fut, mais après c'est moins cheaté, je sais, sur les saisons. Mais j'ai trouvé ça abusé, ouais, sur fut.
Ouais, ça pourrait s'appeler Asie dernière, parce que c'est leur seule fierté, à part la Ligue des Champions en 93, les gens, t'sais. Je parle de Zidane, bien sûr. Mais ouais, sur Play, il doit être chaud, mais je suis sur... Moi, c'est Fut qui m'a vénère, et du coup, bah, c'est vrai que cette saison, j'ai moins joué. Mais c'est Fut au début, c'est soit j'y ai joué, j'ai pris branlé sur branlé, du coup, j'ai arrêté direct pendant des mois de jouer à ça. Et après, j'ai dû faire ouais, un ou deux matchs en saison et je suis retourné sur la carrière parce que ça me saoulait au final de prendre des branlées. Attends. Les couleurs, là, j'arrivais pas à comprendre la question. Oui, c'est ça. Tac. Et en fait, bah après, du coup, là, je suis retourné sur FUT, mais vu que j'ai déjà une meilleure équipe, que même si ça reste une Ligue 1, j'ai déjà une 10 fois meilleure équipe que ce que j'avais. Laisse tomber, c'est mieux déjà. Mais j'avoue qu'il y a des demi-heures dans le match comme ça où tu sais pas ce qui se passe, tu peux rien faire, ou tu sais pas ce qui est... Tu... Incroyable. Genre, tu fais tout comme d'habitude, mais il se passe rien comme d'habitude, en fait. C'est ça qui va fou. Porter un masque, surtout en ce moment. Bah, j'aurais dit embrasser bel moment, mais... C'est bâtard parce qu'après, bah, selon son âge, ça peut être dangereux, surtout en ce moment. Par contre, ça c'est vrai aussi. J'ai pas fait encore. J'ai pas fait encore petit saut le fut champion, vu les équipes que j'avais de merde. Mais là, il manque pas grand chose pour le faire et je pense avoir une équipe beaucoup plus équilibrée que ce que j'avais au début donc. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose vu que j'arrive à... Là, je vais pas mentir, en ce moment, je gagne en ce moment peut-être 8 matchs sur 10 à peu près. Donc, je suis content de moi, je me dis je vais remonter vite. Qui était la profession de Rembrandt, figure de célèbre. Il était peintre, hein, déconnez pas, j'ai pas de conneries. Décorateur, non, il était peintre. À cette époque-là, quand même. Rembrandt, il est connu. Quel est le titre du premier album studio de Maroon 5? Oh mais c'est baiser, putain, j'aime pas le saumon, j'aime pas en tout cas le saumon, quel con. Dans la tradition chrétienne, qui est le saint patron des tailleurs de pierre? PSG. Oh, c'est con. C'est PSG, je suis sûr en vrai. Bah le suspense est intenable, c'est sûr. Alors le premier de Maroon 5, j'aurais pas trouvé non plus, hein, je vous le dis tout de suite. C'est Song About Jane. À mon avis, ça doit vouloir dire un truc genre chante avec Jane. J'imagine. Ou chante sur Jane, mais je pense chante avec Jane. Quel était le nom de famille du célèbre hors-la-loi australien Ned sévissant au 19e siècle? Ned Cutler. Ned Cutler, hein? C'est Ned Cutler. Est-ce que j'ai une bonne intuition? J'ai l'impression que c'est Ned Cutler. Mais... Quel était le nom de famille? Turnbull. Kelly. James. Non, c'est Jesse James. Kelly, je sais plus. Ned James. Non, c'est Cutler, c'est sûr. Ned Cutler. Ned Kelly. Ned Turnbull. Ah, Turnbull, c'est faisable aussi, putain. Moi, j'ai répondu plus ou moins à l'arrache, mais j'avais une intuition de bâtard sur Cutler, je sais pas pourquoi. Putain, c'est Kelly. Ned Kelly. Oh, putain. Je sais pas pourquoi Cutler, il me disait quelque chose. Et James, c'est Jesse James. Non, mais là, on va changer, c'est obligé. Ce qu'on va faire... Bah, je sais pas encore. Call of. Bon, on se retrouve sur Call of, tout de suite.
Faut que je relance un live. Mais c'est ça, non? Bah faut que je me débrouille. Alors est-ce que si je laisse comme ça le live il tourne et vite fait change de jeu, tac, c'est bon. Ah non, t'es obligé de couper pour relancer tout là. Bon, je suis obligé de couper et de relancer tout. Du coup bah je renvoie une invite, enfin ou je renvoie un partage ou de toute façon ça repart. Du coup bah à tout de suite. Si, moi je suis un champion. On va mettre mon téléphone.